Et bonsoir et bienvenue sur Indécent Podcast, les nouvelles estivales indécentes. Donc là, c'est la troisième déjà hein, pour le mois de juillet. En mode tranquille, hein, comme on vous l'avait dit, hein, on va pas se stresser pour l'été. Donc de temps en temps, un petit live, une petite émission. On verra selon les envies et les dispos de chacun des membres de l'équipe. Parce qu'il faut aussi se reposer et profiter des vacances. C'est pas mal, je trouve, comme programme. C'était l'occasion ce soir, parce que ça fait un petit moment qu'on discute avec l'animal, qu'on va vous présenter tout à l'heure, hein, donc à savoir Radio Fringant. On va discuter d'un jeu qui est cher à mon cœur, hein, parce que j'avais adoré à l'époque. Ce sera l'occasion de reparler d'Arkéos. Mais bah, comme vous le savez, les émissions, les interviews, tout seul, c'est quand même super triste. Voire, on tombe dans la dépression, on finit hypochondriaque, enfin c'est horrible quoi. Ne faites pas ça les gens. Ne faites pas des vidéos en live tout seul, c'est vraiment très moche. Enfin en tout cas moi je le fais plus. Donc du coup, j'ai un acolyte pour la soirée. Mais je fais pas partie de l'équipe. Salut Fred. Salut Fred, comment Voilà. vas-tu? Bah écoute, comme j'allais dire comme un lundi, non. Non, non, parce que nous sommes je sais plus quel jour, jeudi, c'est ça. C'est C'est ça, normal. Ouais. Eh Ouf. ben, écoute, merci pour l'invite, en tout cas, c'est super sympa. Bah écoute, comme je disais avant qu'on commence hein, en off, on s'est fait une espèce de wishlist des gens des différentes chaînes qu'on apprécie, qu'on veut inviter sur la chaîne. Donc hop, c'est bon, on peut faire une petite croix sur Enjeu, ça y est. Ouais, donc bah moi, bon, j'ai effectivement également ma petite chaîne YouTube où j'ai pas mal de critiques, enfin un peu de tout, des Ouais, trucs des où analyses assez poussées, hein, franchement. Enfin, moi, j'ai été voir. Bien sûr, on regarde un peu ce qui se fait chez les copains, quoi. Donc, ouais, voilà quoi. voilà, le lien vers la chaîne. Voilà. En tout cas, c'est très cool. Je te remercie beaucoup. Bah, écoute, avec grand plaisir. On va reparler un petit peu plus hein, de la chaîne et ce que tu y Oui, fais, oui, évidemment. oui. Bah, en tout cas, voilà, de Fred. Donc, bah, coucou à Ranita, hein, donc Marilyn hein, de l'équipe, de la team. Oui, il manque plus que Manitou pour avoir un troisième Fred et aussi Frédéric Merin. Et puis, il y a quand même pas mal de Fred dans le milieu du jeu de rôle, je trouve. C'est bien. C'est une bonne chose. Ouais, non, c'est bien les Fred en général. Bah, généralement, ouais, ça va. On est un peu relou. Enfin, moi, je suis un peu relou, mais c'est pas grave, on s'y Ouais. fait. Non, Alors que moi, pas du tout, tu vois. non, ça, c'est juste pour moi. Pas de Vas-y, problème, je gère. On va quand même pas trop le faire patienter, l'animal là qui est dans les coulisses. Il est en train de taper sur les coins de la cage et tout, là, il n'en peut plus. Regardez-le comme il est beau avec sa barbe. hello! Comment vas-tu, mon cher Et Radio pour Fringant, bien! alias Christian? Et vous-même, les Fred. Eh bien, Oui. salut à toi. On est bien. On est tranquille. Comme je disais, ce soir, c'était un petit peu l'occasion parce que bon, le financement d'Arkéos Adventures va arriver. Donc, je crois que c'était octobre, hein, je crois que c'est ça, il me semble. Hein, Fin ouais. septembre, Fin septembre, ouais. Et bon, Pas moi, dans ça deux fait un mois. petit. Voilà. Comme moi, je suis en train de préparer une émission spéciale sur ces petits opuscules. Voilà, il y avait cinq. Les ai déjà vus quelque part, ceux-là. Ouais, je pense. Je pense, sachant qu'il y a le EW System, que ça par contre, je l'ai en PDF, celui-là. Donc voilà, donc toute la gamme Arkéos que j'avais beaucoup appréciée à l'époque, donc début des années 2000, hein, 2005, 2005, 2006, 2004. 2004, ouais. Dans ces eaux-là. Rajeunis pas, mon brave. Je sais pas, j'ai pas vu passer les années 2000, donc on va pas en parler, hein. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu l'occasion de discuter du projet Arkéos Adventures qui est en gestation depuis plus d'un an hein, maintenant. Oh, alors en Hein. réalité, il est en gestation depuis bien plus longtemps. D'accord. Bien, bien plus longtemps. En fait, il est né juste après Arkéos. D'accord, ok. Il est Assez né rapidement. en 2006-2007, quelque chose comme ça. Et en fait, d'ailleurs, pourquoi? Alors Pourquoi pourquoi? juste après? En fait, il y a La eu. première édition était ne satisfaisait pas? Alors, j'aime beaucoup la première édition. Elle est super sympa. Ça a été un super moment également comment, pour créer cette édition. Et c'était parti complètement un peu par hasard. Enfin, voilà, complètement parti à l'arrache dessus. Et après coup, ce qui s'est passé également, c'est que ça m'a permis de rencontrer pas mal de monde et de découvrir des manières de jouer que je ne connaissais pas. Et en découvrant ces manières de jouer que je ne connaissais pas, ça a changé mon regard. Et parce que bon, le système d'Arkéos, le W système, donc à l'époque, est somme toute très classique. Enfin voilà, c'est une manière de jouer old school, dirons-nous maintenant, hein, Ouais, mais dans ça les c'est mots très cool. usuels. Et entre-temps, notamment, j'avais découvert Wushu. Je me suis dit, putain, c'est une toute autre manière de jouer.
Et voilà, tu commences à mettre un doigt dans le narratif et tu dis, oh merde, il y a plein d'autres choses à faire. Ouais. Alors j'en profite. Bonsoir Chamaël, tiens d'ailleurs. Oui, le complot des frettes pour dominer le monde. Ça fait un moment qu'il est en marche, hein, ce complot. Hein, on dirait. Quelques voilà. décennies, effectivement. Oh oui, c'est pas quelques siècles. Mais bref. Voilà, et donc, c'est un peu le déclic, parce que je me suis dit, la mécanique, au final, elle correspond pas du tout au genre. Et donc, j'ai commencé à explorer de nouvelles pistes. Et ça a pris beaucoup de temps. La base de la mécanique d'Archeos Adventure, elle date de cette époque-là. Bon, elle a beaucoup évolué, beaucoup changé, beaucoup affiné. Elle s'est enrichie et s'est simplifiée. Ben, ça prend beaucoup de temps, justement, ça. Bien sûr, il y a aussi des années et des années de pause où je n'ai pas remis le nez dedans, mais le projet ne m'a jamais abandonné. Et donc là, ça fait peut-être 2 ans maintenant que je suis vraiment revenu dessus. D'accord. J'ai un petit compliment pour Fred. Hein. Voilà. Merci beaucoup, ça va droit au cœur. Voilà, merci. Voilà. Ouais, donc du coup, c'est vrai que je regardais un petit peu les noms. Hein, donc on va parler vite fait de... Hop, regardez-moi ça, j'ai préparé des bannières, c'est un truc de dingue, enfin, ça n'arrive pas tout le temps, hein. Notez bien ça dans vos carnets. L'historique d'Archeos, donc on ira quand même assez vite, parce que le but, c'est de la nouvelle édition, bien sûr. Mais donc je vois 2004, les auteurs, je vois Christian Grussy, tiens, qui est cet individu, Didier Merclin et Lionel Davoust. Oui. Un illustre inconnu, hein, en tant qu'auteur Oui. Donc Lionel Davoust, j'ai vu du Arnaud Curie aussi sur les Cités d'Or, donc... Oui. J'avais vu du Jean-Laurent Del Socorro, je crois que c'était sur Circus. C'était ça, ouais. Pardon. Et sur Sovok, c'est Cédric Ferrand, c'est ça ? Cédric Ferrand, ouais. Ok, ça va, je ne dis pas trop de bêtises, donc c'est bon, hein. Pas mal. Mm-hmm. Pas mal. Donc pas mal d'illustres inconnus qui ne savent pas du tout manier la plume. Non. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était pas terrible, hein, franchement, comme ils écrivaient. Non, c'est une catastrophe. Ouais. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté, c'était l'accident, désolé. Non, sans doute, sans doute. Ouais. Donc voilà, si tu peux juste très rapidement nous parler un petit peu de la genèse d'Archeos et puis ce que vous aviez voulu faire ensemble, quoi, du coup. C'est vraiment parti un peu comme un feu de paille. Oh putain, ça serait cool de faire ça. Ça serait cool de faire un truc. Et puis on s'est lancé et sans vraiment réfléchir et puis sans être spécialiste du sujet, sans avoir spécialement d'expérience éditoriale dans le domaine du jeu, d'ailleurs. Ah, mais c'était déjà un sujet qui te passionnait, en fait, je pense. Tu ne t'es pas lancé là-dedans comme par hasard. Quoi. Non, ce n'est pas par hasard. Mais t'as pas fait le pique-nique. Par exemple, à l'époque, j'avais jamais lu un Bob Moran à l'époque, tu vois. D'accord. Par exemple. Okay. Bon, écoutez, cette émission était formidable, voilà. On va continuer, hein, Fred, hein, tous les deux. Vous n'avez pas Bob Moran, hein, mais pitié, s'il vous plaît. Bon, je le remets quand même, parce qu'on l'aime bien. Ah là là. Et non, mais à l'époque, j'avais jamais lu un Bob Moran, parce que je ne sais même pas pourquoi. J'ai rattrapé beaucoup de retard que j'avais sur pas mal d'auteurs aussi. Parce qu'il y en a tellement, faut se dire que... Ouais. Voilà. On n'a pas assez d'une vie pour lire à peu près tout ce qui est possible de lire sur le sujet. Mmh, d'accord. Il faudrait beaucoup. Ça me rappelle un épisode de la quatrième dimension. Oui. Et nous sommes deux à avoir des lunettes, donc nous comprenons ce que tu racontes. Ben oui. Terrible cet épisode. Mon Dieu, j'en fais encore des cauchemars. Donc l'histoire d'Archeos, comme dit, vous êtes lancé un petit peu sans trop savoir. Parce que c'est vrai que quand on voit ce bouquin à l'époque, qui était sous blister en plus, hein, et qu'on l'ouvrait, donc on avait cette chose, et hop, oh mon Dieu, regardez-moi ça. Donc ça, c'était le livret, et là, c'est la vie. Alors l'écran, on va rester courtois, hein, c'est les écrans de, voilà, hein, avec le joli titre au milieu, et tout, et très peu de tableaux. Mais par contre, c'était lié au fait que toutes les règles renvoyaient à des tableaux, où il y avait déjà des codes couleurs, hein, que tu réutilises. Hein. Il y avait déjà des codes couleurs, à l'époque. Ouais. C'était presque révolutionnaire à l'époque, d'ailleurs, le code couleur sur les tableaux. Oui, non, mais clairement, parce que ce n'était pas tout fondu dans la masse. Tu savais exactement lequel aller voir en fonction de la règle que tu voulais mettre en avant. Donc c'était... Mais je t'avoue que de revoir l'écran là, alors que je connais par cœur le nouvel écran, ça fait tout drôle. Ça, c'est... voilà. Putain, regarde. Je vais te le faire en plus en mode souffrance, regarde. Ah ouais. Ouais, voilà. Ça pique les yeux. Voilà, regarde-moi ça. Aïe. Ah, c'est beau, hein. Hein, ah là là. Cesse, gredin. Là, tu prends honte d'ainsi me faire souffrir. Et tiens, ah non, j'ai aucune honte.
Dans ton historique rouliste, en fait, je ouais. suppose qu'avant d'avoir commencé à avoir l'idée d'Archéos, de jouer, de faire un jeu pulp, tu as dû déjà en jouer quelques-uns avant, je suppose. Alors, tu supposes bien, j'avais notamment joué à Daredevil. Hey, regarde. Eh oui, Daredevil. Attends. Remonte-moi la chose. Ah oui. Le GU. Je l'ai également dans ma bibliothèque par là-bas. C'était un des premiers, en fait. Et tu sais que Daredevil, en fait, c'est le premier jeu de rôle à points de héros. Il y a des points de chance. Ah, des points de héros, tu vois, des points de destin, de trucs. C'est le premier, d'accord. En fait, c'était les points de chance. Bon, par contre, c'était... l'écran. Je te montre l'écran, là, quand même. Ouf, ah oui, voilà, on est dans du route. Oui. Voilà, hein, on est quand même dans du... hein, voilà. On est en 81, 82, par là, quelque chose comme ça. Ouais, mais en fait, ils reprenaient quand même bien les thèmes. Hein, oui, hein, les thèmes, ils étaient bien présents. Avec, tu avais une carte qui était derrière, tu vois. Hein, donc, on était vraiment les thèmes. Et, donc, tu as commencé par celui-là aussi, alors. Dans le domaine purement pulp, ouais. Dans le jeu d'aventure en tant que tel, je me suis fait du Daredevil. J'avais beaucoup joué à Malef, Star Wars, bien évidemment, et beaucoup de jeux maison, avec du bricolage à gauche, à droite, etc. etc. Donc, c'était même la principale chose qu'on faisait. D'ailleurs, la première version de l'EW System, c'était ni plus ni moins qu'une formalisation de la mécanique qu'on utilisait régulièrement. Ok. C'est vrai que moi, ça me rappelle aussi, parce que je les avais vus passer à l'époque, mais il y a fort longtemps, les Indiana Jones, c'était SR. C'était SR, ouais. Magnifique. On en discutait hier, d'ailleurs. Magnifique édition. Ouais. Un régal, cette édition. Qui est devenue super collector, donc a priori. Ah bah oui. Oui, tu ne trouves pas à moins de 200-300$ chaque truc. Oh. J'ai voulu il y a quelques temps me dire, bah, tiens, je vais quand même les prendre, parce qu'à l'époque, je ne les ai pas pris. Pourquoi ? Parce que dans la boîte de base, la première qui était sortie, tu ne pouvais pas créer tes personnages. Tu pouvais jouer Indy, Demi-Lune, Marion. Ouais, je m'étais dit, putain, ça va quand même être assez limité. Et donc, en fait, je ne l'avais pas pris. Quoi. Et quand je vois les tarifs aujourd'hui, je regrette beaucoup. D'autant plus que tu as un des suppléments, c'est jouable en solo. Ouais. Et donc, il est livré avec la petite languette plastique transparent rouge. Et toutes les pages sont recouvertes d'encre rouge. Et donc, tu passes avec ta languette pour faire ton scénario solo en découvrant au fur et à mesure ce qui est écrit. En passant qui rend visible l'encre en dessous. Ouais, c'était vachement en avance. Hein, et dans chaque supplément, tu avais les petites figurines à découper en carton, à monter. Donc, tu avais l'hydravion, il y avait tout le matos que tu voyais dans les films, etc. C'était fait plaisir, grave, quoi. Mais surtout que c'était bradé en plus, ces trucs-là, à un moment donné. Bon, oui. Je sais pas si ça s'était excessivement bien vendu en France, en boutique. En fait, je suis pas persuadé. Hein. Non, moi, je l'avais chopé sur eBay à un prix débile, en fait. J'en ai trouvé quelques-uns à des prix, ça va, mais après, à un moment donné, même si on aime le jeu de rôle, mettre 200 boules dans un vieux truc... Non, on est d'accord. Je suis pas collectionneur à ce point, on va dire. C'est pareil. Bon. Il y a des limites. Je reviens sur Archéos, hein, donc sur alors 5 bouquins, mais à la base c'était 4, hein, ce qui était prévu. Ouais. Donc on avait l'ombre du conquistador, que voici que voilà. Nous avions le deuxième, les masques d'ébène, que voici que voilà. Le 3, c'était les cendres du dragon. Et le dernier, les reflets de l'histoire. Voilà. Alors, pour vous montrer un petit peu comment c'était découpé, c'est pour ça. Bon, je vous en reparlerai plus avant. Avant la fin de l'été, ça c'est ce que j'avais promis, c'est que ça se présentait sous la forme de, premièrement, un cadre de jeu, ensuite, des sociétés secrètes, du matos, des machins comme ça, voilà, les véhicules, donc pas mal de contexte, des ajouts de règles, ou des règles tout court dans le premier, hein, où il y avait toutes les règles, ensuite, des PNJ, donc voilà, tiens, un peu ce genre de truc, donc pas mal de contexte et de règles, et ensuite, le scénario, tout à la fin. Et très axé. Le scénario. Puisque dans chaque ouvrage, il y en avait plusieurs. Ouais. Et l'intérêt, c'était que, en fait, Archéos, il sortait trimestriellement. Oui, c'est ça. Sorti sur un an. Et donc, à chaque fois, tu avais de quoi jouer pendant un trimestre et donc faire la campagne sur l'année. Sachant qu'en plus, tu avais du matos. Je crois que c'était le truc du Commodore. Ouais, il y avait l'ombre du Commodore. Ça.
un autre avec un œuf de Fabergé. Ouais. Il y avait également le scénario qui avait été écrit par Pierre Pradal, King of the Stone Age. Oui. Où tu partais en terre creuse avec des nazis et des T-Rex. Normal. Toujours sympa. Ça fait toujours plaisir, ça. Oh, c'est ça. Toujours la petite friandise, voilà. Ce genre de scénar. Et donc après, on avait la campagne Archéos. Hein. Voilà, donc là, c'était la deuxième partie, aux frontières du mal. Et surtout, des choses qui m'ont... Tu sais, je lisais à l'époque, et puis quand j'ai repris au cœur des années 20 pour l'appel de Toulouse, que tu avais sorti pour la V6, mmh. On retrouve un petit peu ce travail qui avait déjà été fait dans Archéos, en fait. Hein. Bah, j'ai toujours été amoureux de la petite histoire. Dire l'histoire par le prisme du quotidien. La grande histoire avec les événements, machin. Bon, c'est bien, c'est intéressant, mais ce côté, le quotidien, les petites anecdotes, pouvoir se plonger réellement dans une époque, j'ai toujours adoré ça. Et j'ai fait pas mal de recherches sur le sujet au fil du temps. Et franchement, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et d'ailleurs, on le retrouve aussi dans la nouvelle édition où on est en immersion dans une époque. On n'est pas là pour juste... il y avait tel roi, tel politique et tel événement et tel assassinat. Ouais, bon, ça va, quoi. Par exemple, on avait un petit peu de vaudou aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Les créatures de la nuit. Ouais, c'était vrai. Ça brassait un peu tous les thèmes du pulp, quoi. Hein. Oui, oui, oui. Ça touchait à peu près à tous les... Il y avait aussi la thématique de tout ce qui était science bizarre, merveilleuse, rayon de la mort, sérum du beurre soldat, enfin, et compagnie. Il y avait à peu près tout. On avait essayé d'écrire la campagne à l'époque pour pouvoir passer un peu sur tous les sujets du pulp. Faut dire que c'est vaste, hein, le pulp. Hein. Très vaste. Très, très vaste. J'adore. Jacques de la chaise Dieu. Oui. Missionnaire défroqué qui travaille à la dynamite, qui fait le tour de l'Afrique à moto. Faut pas l'emmerder. Ça alors, c'est étonnant. Donc ça, c'était sur les cendres du dragon. D'ailleurs, Jacques de la chaise Dieu sera dans cette nouvelle édition. Ah. Ouais, on va retrouver certains personnages. Et ça, c'était un peu ce qu'on connaît. Hein. Ça faisait un peu plus Indiana Jones, etc. Donc... celui-là est un petit peu plus... Ce qu'on appelle le nom de code de cette personnage, la brune au pantalon rouge, nom de code l'aviatrice, oui. qui est devenu un peu un personnage récurrent, donc qui est toujours présent dans cette édition, dans cette nouvelle édition, qui s'appelle Dolores. Et c'est une sorte de Lara Croft du cru, quoi, pour nous dire. Puis, mais elle est toujours présente. On retrouvait effectivement donc, ces images d'archives mélangées avec du dessin pour être bien dans l'ambiance. Et puis, un petit hommage au pulp hein, quand même. Hein. Donc, on va en reparler. Un petit coucou à Yavendil et aux copains de Die Story qui sont dans le chat. Voilà. Et Louis Sandoval, j'aime beaucoup, moi, personnellement. Hein. J'en dirai pas plus sur cet individu, mais bon, quand même, quoi. Oui, c'est bien, lui. Voilà, donc ça, c'est né d'une volonté, donc c'était toi et Lionel et Ciné, c'est ça ? Vous étiez tous les trois tous les trois, ouais. À créer le système, le cadre et tout Ouais. Avec Lionel en distanciel et puis avec Sidney en local, puisque on était tous les deux sur Nancy avec Sidney, et Lionel était sur Rennes. Ouais. On se faisait des sessions de travail régulièrement. Par téléphone, hein, puisque à l'époque, c'était un peu plus compliqué, la vidéo. Ah oui, la vidéo sur Internet, c'est... Non. Déjà, il y avait les MP3, c'était déjà pas mal. Ah, c'était déjà bien. Oui. Et il y avait la DSL. Oh. Bon, ça y est, là, on part dans les vieux trucs, là, les gars. Oui, t'as pas dit que c'était les vieux, regarde. voilà, c'est bon. non, mais on avait dit qu'on ferait pas l'émission complète sur Archéos à l'époque, c'était juste pour dire que voilà, c'était quand même un format qu'on n'avait pas l'habitude de voir. On était plus sur les gros bouquins et les acteurs qu'on avait tous connus à cette époque-là, donc Hexagonal, etc., Descartes et tout, qui étaient en train de crever les uns après les autres, en fait, hein, tout simplement. Hein. Et on était sur cette période charnière aussi de Passage au Témoin où une toute petite compagnie à l'époque venait de lancer Pavillon Noir. Alors, Pavillon Noir était un jeu amateur, et du coup, la V1
est sorti chez Black Book, c'était le tout premier. Donc ça venait à peine d'apparaître, je me souviens. On était vraiment dans une espèce de passage de témoin, je trouve, hein, ouais, cette période-là. Et vous étiez arrivé avec ce format-là que, personnellement, je n'avais encore jamais vu. Donc ça, c'était quelque chose aussi que vous aviez en tête dès le début, ce format, oui, un peu à part. Oui, le format, ça, c'était mon expérience dans l'édition de manière générale, puisque j'étais déjà graphiste depuis un moment. Et en fait, j'aimais beaucoup ce format et j'étais tombé sur un comics avec la couverture simplement avec un repli. Et je me suis dit, putain, mais merde, il faut absolument faire ça. Tu fais ça avec la colle fusionnelle, ça te fait un écran et tu as le livret. Et hop, tu as un super bouquin, un jeu complet avec son écran, ouais, pour un prix tout à fait raisonnable. Mmh. D'ailleurs, c'était extrêmement raisonnable, 12 euros à l'époque. Ah, ouais, ouais. Je confirme. Ouais, 12 balles, ouais. C'était trop raisonnable même. Trop, oui, raisonnable. Puisque bon, l'aventure éditoriale n'a duré qu'un temps, parce que c'était peut-être pas assez cher en fait. Bah quand même quoi, parce que c'était du tout couleur, hein, mine de rien. Ah ouais. Alors, messieurs, dames, prenez un exemple déjà de maquette, hein, parce que ça tenait vachement bien la route, hein, comparé à d'autres trucs. Donc je tirais le nom à l'époque. Montre plutôt l'actuel, c'est vachement plus sympa l'actuel. Écoute, moi je la trouvais bien, c'était vachement lisible. Ah, c'était propre, oui. Bah ouais. Oui, oui. Bah, c'est je ne vais pas la renier. Hein. Bah non, mais je ne vais pas la renier. Enfin, moi je sais que j'aimais bien en tout cas. C'est pas pour te passer la brosse à relire, tu me connais. Bon, sauf ça, j'avoue que moi, les tableaux, quand c'est écrit tout petit, c'est du mal. Non, c'est pas bien ça. Oui. Ne faites plus ça, les gens, s'il vous plaît. Merci. Non, il faut plus. Il ne faut pas. Bah, c'est-à-dire que. Alors, les jeunes relisent ceux qui débutent et tout, ils n'ont pas de problème, mais nous. Voilà, vous m'avez compris. C'est plus dur. donc, ouais, ce format. Et tu dis donc que dès 2006-2007, tu as commencé à vouloir bosser sur la suite. Ouais. Ah ouais. Et le premier playtest d'Archeos Adventure, bon, qui ne s'appelait pas encore Archeos Adventure à ce moment-là, quoique aussi, peut-être, ça devait être à peu près dans ces périodes-là, avec le premier playtest avec Sydney et Olivier Troclé en joueur. Ok. Où on a passé une soirée vraiment mémorable et où je me suis dit, ouais, là je tiens un truc. Parce qu'il y a de l'ambiance, c'est immersif. Et donc après, j'ai continué à creuser sur cette piste-là. Et donc, c'était déjà ce principe de quelques points que tu mises à l'envie, avec ce principe de t'as 12 points que tu divises comme tu veux. Et il faut pas, et si tu dépenses plus de la moitié de ce que tu as en réserve, tu prends des risques. Et il peut t'arriver des bricoles. Mais en fait, tu t'es dit à ce moment-là, il faut que je fasse une autre édition pour que j'ai quelque chose qui rentre plus dans le style pulp, plus fluide, plus. J'étais surtout en recherche d'une mécanique. Tu vois, je me triturais le cerveau. J'avais le plaisir à me fouetter le neurone pour trouver quelque chose qui me plaise. J'étais vraiment dans cette recherche-là sans forcément avoir à me dire bon, il faut absolument faire une nouvelle édition. C'était pas forcément l'objectif initial. Mmh. Vraiment le plaisir de creuser la piste, de suivre, de tirer le fil et de se dire ouais, où est-ce que ça va mener. Ouais, et j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui. En fait, la meilleure façon de définir ce que j'avais envie de faire, c'était pas faire une mécanique de jeu que l'on va lire et qu'on va jouer, mais plutôt de se dire comment est-ce qu'on joue à table et comment est-ce que je retranscris ça dans un livre. Mmh. C'est-à-dire de partir exactement de l'inverse. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on joue, quelles sont nos habitudes et comment ça se passe autour de la table et comment est-ce qu'on va faire ça sans changer les canons du genre. C'est-à-dire que, bon, il y a un scénar, il y a un MJ, il y a de l'aventure, il y a des persos, tous les éléments constitutifs pardon, d'un jeu de rôle, mais de prendre un peu le contre-pied, de dire, OK, comment est-ce que je transcris ça pour qu'en fait, ça soit le plus naturel possible. Alors, bien évidemment, chaque table a sa manière de jouer, etc., etc. Et j'avais envie de faire cette démarche pour arriver à quelque chose de naturel, du moins, la manière dont on pratiquait le jeu à ce moment-là, et puis où je continue à le pratiquer de cette manière-là. Donc, ouais, c'est un peu changé de paradigme. Donc, dès 2006-2007, tu avais déjà le concept là, des jetons, les deux jetons à se partager, etc. Après, il y avait plein de scories, plein de bordel, plein de trucs en trop et tout ça. Là, ce qui existe maintenant est une version nettement plus. Totalement épurée et qui fonctionne et qui est équilibrée, etc., etc. Mais
bah, y avait des trucs inutiles, hein, encore des reliquats d'habitude, des genres de choses. Mais ouais, le principe de ce pool de jetons que tu peux diviser à l'envi, avec lequel tu vas pouvoir tout faire et prendre des risques, et que ça te serve également de jauge de vie, bah, c'était l'idée de base, en fait. Mmh. Bon, entre-temps, il y a eu 3, 4 ou 5 autres systèmes qui sont tous quelque part dans un coin de disque dur à mourir de leur belle mort. Oui, d'accord. Le fait de faire cette nouvelle édition, c'est venu de ton envie d'avoir quelque chose, de, comme disait Fred, hein, de plus fluide, quoi. Ouais. Qui retranscrit mieux l'esprit du pulp, on va dire. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a discuté justement avec Christian hier, parce que pour la petite histoire, on habite juste à côté, on s'en est aperçu hier, quoi. Voilà, à 7 km pour être précis. Au milieu de la Pampa Lorraine. Bref, qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Du coup, j'ai perdu le fil. Ça, c'est l'âge. Mais non. Je ne sais plus. Ça me reviendra. Ça me reviendra. Wow. Je ne sais plus. Si, bah du coup, moi non plus. Oh, l'émission bien. De la loose. On est bon là. Là, on tient quelque chose ce soir. À mon avis, d'ici une petite dizaine d'années, en direct de l'EHPAD, ça va être chouette, les gars. Ça va être nickel. Les fauteuils, t'es... Il est où, On ne sait pas. Moi, c'est sur le cadre de jeu. On est toujours donc, sur ces années 30 uchroniques, un peu à la Rocket Ranger, machin, etc. Ouais. Avec des méchants nazis qu'on aime bien taper, c'est ça. C'est ça. Ouais, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ça y est, tu vois. Vas-y. Ouais, ce qu'on disait, c'est que Christian est d'accord aussi avec moi. Je valide Story. Et en fait, on aime bien tous les deux des systèmes qui représentent le thème, quoi. Hein, on évoquait le fameux, parce que pour moi, c'était à l'époque, le jeu qui a fait que un système est vraiment dédié à un thème, c'était le James Bond de l'époque. Il avait un thème absolu, un système qui collait parfaitement. Et effectivement, faire un système qui colle au pulp, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, plutôt que de prendre un système, on va dire, entre guillemets, qui se vend bien. Je pense que vous savez à peu près de quoi je parle. Et puis, on met un tampon sur la boîte et puis on bourre dedans au chausse-pied le thème, quoi. Et ça, c'est toujours quelque chose qui me déçoit au final, parce que le système n'a pas été prévu pour... Et moi, quand je lis un système, j'aime bien voir à quoi l'auteur a voulu faire référence et qu'est-ce qu'il veut faire au final. Et c'est un peu ta démarche aussi. Hein, Complètement. Bah, c'est d'ailleurs ce que je t'expliquais. C'est-à-dire que tout au long du déroulé des règles, il y a les références aux séries, aux romans, aux scènes de films, à l'ensemble des choses qui expliquent pourquoi cette règle elle est là. Bon, sans tomber dans le pied dans le plat et faire lourd, hein, mais simplement donner les clés, pas simplement donner une mécanique, mais donner les clés du pourquoi, du comment. C'est-à-dire que, par exemple, un exemple tout bête, donc il y a une carte cliffhanger dans le jeu. La carte cliffhanger, elle permet de sauver la couenne d'un personnage une fois par session de jeu. Ok. Et bah dedans, j'explique l'origine du cliffhanger, comment ça fonctionnait, et je donne les exemples de tous les chapitres, de tous les cliffhangers de Perils of Myopia, de Vigilante, de je sais plus quoi, et simplement de sorte à le MJ, le joueur, puisse comprendre à quoi ça correspondait réellement un cliffhanger, et donc de pouvoir s'amuser avec. Pareil, le code Haze, il y a une carte code Haze, j'explique ce que c'est le code Haze, comment ça fonctionnait, pourquoi ça existait et quelles étaient les restrictions. Donc le code Haze, c'était le code de la censure de 1931 aux années 60, par là, où il y avait des fortes restrictions et où les réalisateurs s'amusaient à détourner ces restrictions. Tout le long du jeu, j'explique tout des petites choses comme ça. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça comme explication. Et, donc vraiment de donner de la matière, vraiment beaucoup, beaucoup de matière aux lecteurs et aux joueurs. Du coup, ça reprend un peu ce qu'on appelle les romans feuilletons. Et, alors, je ne sais pas si vous aviez suivi à l'époque chez Librio, parce que ça me fait penser avant que j'oublie. Chez Librio, à un moment donné, ils avaient relancé les feuilletons avec Stephen King, La Ligne Verte, qui avait été traduit en feuilleton, et Bordage, Le Dernier Homme, en SF post-apo. Donc, du coup, on pourrait faire du post-apo à l'abordage façon Archeos, quoi, quelque part. On peut tout imaginer, mon cher.
Non, mais même moi, tu vois, j'essaie de me faire le truc. Comment on pourrait faire? voilà, ça répond un petit peu à pourquoi la nouvelle édition. Donc, on est toujours sur ces, comme je disais, hein, sur ces années 30 fantasmées. Clairement. Hein. C'est des années 30 fantasmées, d'autant plus dans cette nouvelle édition. Parce que le principe de jouer avec l'histoire, c'est aussi de pouvoir s'en affranchir. Oui. Prenons un exemple bête, là dans le kit découverte, non, ça se passe donc à Palmyre. L'oléoduc a été construit en 1935. Ok, c'est bien, on s'en fout que ce soit 1935. Il y a un oléoduc qui a été construit, que la partie se va jouer en 31 ou en 39. On s'en fout, l'oléoduc est en construction. Voilà, parce qu'on est dans le jeu, on a l'élément historique, on a les références, donc on sait de quoi on parle. Mais pour la partie, bah, il faut s'amuser avec. Sinon, on s'ennuie, on s'emmerde. Parce que, désolé, il va falloir t'attendre 2 mois pour que les gars ils arrivent avec leur pipeline. C'est pas très drôle. Quoi. Donc, oui, Elwin Arc. On parle bien d'Archeos, la réédition, effectivement. Enfin, la nouvelle édition. Quand même. Donc, l'idée, c'est d'écrire dans les années fantasmées parce que ces années-là, au final, c'est pas, bon, elles ne sont pas vraiment glopes. Hein. Les fascismes de partout, les conséquences de la Grande Dépression, etc. Et ça se termine très très mal. Quand on parle d'années fantasmées, c'est plus la vision justement qu'il y avait dans les magazines pulp de cette époque-là. Ouais, pour faire rêver. Déjà, rien que les couvertures qui font rêver, les affiches de voyage qui font rêver, qui sont pleines de couleurs, un petit peu pastel, qui sointent l'exotisme à plein nez, les couvertures des pulps avec des héros plus larger than life, comme le dit l'expression. Les couvertures de Modern Mechanics avec des inventions hallucinantes qui n'ont jamais existé, mais qui font rêver. On va plus être sur cette logique-là, quoi, des années fantasmées. On a envie de partir à l'aventure. Oui, remarque, effectivement, tu l'as quand même dans beaucoup de jeux, hein, ce genre de choses, hein, parce que à moins que tu joues à un jeu historique pur et dur, parce qu'en fait, on a des jeux, en fait, dans notre histoire, la vraie, mais ça ne reste que des jeux, quoi. Il faut que ça ne reste que des jeux. Et qui laisse ton imagination pouvoir voguer. Ouais, complètement. Où tu veux, quoi. Hein. Il n'y a pas très très longtemps, j'entendais un archéologue qui expliquait que merci Indiana Jones, parce qu'il avait Indiana Jones, même si c'est tout sauf un archéologue, il n'y a rien de réaliste, jamais un archéologue ne sait pas ce qu'il fait, mais ça a créé des centaines et des centaines et des centaines de vocations au travers du monde. Ah oui, facile. Et voilà, et donc gardons cette porte ouverte sur de l'imaginaire, sur de l'aventure, sur du fun. C'est ça, c'est ça. Parce que ce n'est que bénéfique. Je ne parlerai pas de tous ceux qui se sont lancés dans le foot ou le volley après avoir vu des séries animées. Hein. On va taire ça aussi. Quand même. Putain, on ne parle pas de choix personnel ici, je te prie. Oui, et ça me fait penser aussi, justement, j'anticipe un peu ce dont on discutera dans les inspirations, mais une série comme Les Mystères de l'Ouest, hein, c'est clairement de... C'est du pulp, fantasmé qui est totalement pulp, assumé quoi. Bah, c'est du pulp. Totalement pulp, totalement. T'as des créatures mécaniques géantes là-dedans. Il y a tout. Loveless, le grand méchant fabuleux, Loveless. Enfin, c'est du pulp à fond quoi. Artemis Gordon avec ses 1000 visages. D'ailleurs, le principe du héros avec 1000 visages, tu le retrouves dans énormément de récits pulp. Les gars qui se griment, ça se voit qu'ils sont grimés, mais tout le monde, mais personne ne les reconnaît. Ça marche trop bien. Donc c'était ton souhait, c'était vraiment donc dès 2006-2007 d'avoir quelque chose donc depuis qui met plus en avant ce que toi t'avais envie de jouer quoi du coup. Hein. Ouais, c'est pareil au niveau des règles, puisque donc t'as eu le temps de les affiner. On est en 2024. Hein. C'est vers quand à peu près que ça a vraiment pris forme où je t'ai dit ouais ça y est c'est bon là on va commencer à partir sur quelque chose d'édité. L'anecdote c'est qu'en fait c'est extrêmement récent. Dire que ce projet me tient à cœur depuis très longtemps, je sais que je veux le faire, je l'ai annoncé etc etc et donc c'était il y a en mars avril 2023 donc il n'y a pas longtemps.
J'ai enfin réussi à écrire les règles complètes. Ouais, génial. Je suis trop content, c'est le pied. 5 mois plus tard, je réouvre le fichier et je dis « Putain, mais c'est un percepteur des impôts croisé avec un gardien de prison qui a écrit ça en se croyant poète. » Oh putain, la misère. Oui, oui, oui. Et non, c'était une catastrophe. Je l'ai écrit au pire moment possible, d'ailleurs, enfin, peu importe. Et me dit « Bon, non, ça… » Et j'ai tout repris, et en un mois et demi, j'ai entièrement réécrit les règles avec le ton qui va bien, avec le… ce petit supplément d'âme qui fait que bah, tu as envie de lire, quand tu commences la lecture, tu as envie de continuer et tu dis « putain, c'est fun ». Et quand tu te relis et que tu commences à avoir cet effet-là et que les premiers lecteurs externes te disent « oh putain, c'est trop bien », tu dis « ok, ça y est, j'y suis, c'est bon ». Donc en fait, cette version, elle est finalement très récente. Elle a mis des années, des années, des années à arriver. Et quand il y a eu le déclic, ben, donc c'était en novembre dernier, hein, voilà, simple. En novembre dernier, il y a eu le véritable déclic, alors que les règles existaient, mais je n'avais pas encore réussi à les écrire comme je voulais. Et là, ça y est, c'était bon, c'est parti. Et en 2 mois, j'ai écrit l'ensemble. Ouais, parce que ça, c'est très rapide. Ouais. Bah, après des années de maturation, vaut mieux que ça soit rapide. Hein, parce que... oh, bah, tu sais, il y en a, ils passent encore beaucoup de temps. Hein, et... Mais du coup, effectivement, entre ton déclic et mine de rien, bah, le financement qui va arriver, en fait, on se retrouve avec une période assez courte, quoi, hein, c'est, si on regarde bien. Ouais, on est sur de l'intense, mais oh, c'est pas du mal. Hein, ah oui, bien sûr. Bon, les règles, bon, elles sont testées, elles ont été jouées, on sait que ça fonctionne, le ton est sympa. Enfin, je m'avance, hein, mais je ne vais pas dire que c'est de la merde non plus. Ouais, c'est pas terrible pour vendre le projet, effectivement. Non, non, mais regardez, c'est joliment emballé. Ça pue, mais c'est joliment emballé. Hein, vous pouvez... bon, ouais, pas, quoi. Non, donc ça fonctionne, c'est riche, c'est sympa. Le ton, c'est plutôt un ton hommage à un grand homme du cinéma français, un grand dialoguiste. Pour ne pas le citer, Michel Audiard. Là où on retrouve un peu cette patte, cet esprit, avec des expressions un peu désuètes. On fait, on se risque sur le bizarre. Par exemple. Voilà. On est dans le ton qui se rapproche le plus au final d'un argot années 30. Parce que l'argot années 30, véritable US, par exemple, où il y a un véritable slang. Oui. Représentatif de l'époque avec plein d'expressions et intraduisible. Donc je suis parti sur ben ok, ben on va taper sur de l'Audiard, hein, voilà. Vous avez sorti le vitriol ? Je comprends. Je comprends tout à fait. Nous avons à peu près les mêmes références, donc les barbouzes, là, tout en flingueur, j'ai dû voir ça. Des centaines de fois ? Ou peut-être pas quand même, hein. Ça c'est plutôt Blade Runner. Mais oui, non, quand même beaucoup, beaucoup, quoi. Non, mais tu vois, par exemple, 100 000 dollars au soleil, on est en plein dedans. On est dans de l'aventure, un taxi pour Cotobrook. Il y a aussi il est fabuleux, celui-là. Taxi pour Cotobrook, absolument génial. Enfin, le salaire de la peur, bon, là, on n'est plus dans du Audiard, mais on est pour la même époque. Enfin, là, c'est un chef-d'œuvre du cinéma, mais hein, on est dans de l'aventure, on est dans du bonhomme qui vit de l'aventure et qui. Ouf, waouh! Ouais, je suis là comme un géranium et je vais crever au milieu du désert. Oui, il y a plein de références et de citations qu'on a gardées. Je confirme. Mais oui, ouais, ça fait des sacrés souvenirs. Donc, ça permet d'avoir des références plus françaises du pulp. Mais tu vois, justement, en fait, le pulp, on vient de passer en fait des années 20 à 100 000 dollars au soleil qui sont. C'est quoi? C'est fin des années 50. Hein, oui, c'est fin des années 50, ouais. Donc, on va dire que le pulp, on a quand même un panel assez large, en fait, un panel temporel, en tout cas, assez large. Hein, Très, très large. Très, très large. Et puis, ça touchait tous les genres. C'est ça. Tout à fait. Ce qu'on oublie un peu, c'est que ce n'est pas que de l'aventure, Larger Than Life, comme tu dis. Non. C'est de la science-fiction, c'est de la romance. C'est de la romance. Fantastique, du policier, du criminel, etc. Même le hard-boiled, le détective. Il est dans le pulp. Du pulp. Et même Lovecraft, c'est du pulp, hein, à la base. Bien sûr. Du coup, j'en profite pour faire un petit hommage et un gros coucou à Guillaume et Campus Miskatonic, les copains qui sont sur Verdun.
et qui l'an dernier justement pour la dernière édition avait fait une spéciale pulp. Donc t'avais des numéros sous verre qui étaient exposés, qui étaient magnifiques, hein, franchement. Avec les superbes couvertures là de, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai plus les noms en tête. Hein, c'est une femme, hein, qui faisait les covers qui ont vraiment marqué cette époque-là des années 20. Mais c'est vrai qu'aussi les années 20, bah, on peut dire ce qu'on en veut, mais on les connaît aussi quand on est rôliste via l'appel de Cthulhu. Tout à fait. Forcément. Et donc les années 30, c'est, ça commence à être exploité avec Pulp Cthulhu justement. Mais on l'avait pas trop avant, quoi. Là, je sais pas pour vous. Mais... Bah. Pour moi, les années 30, ça a été utilisé dès Indiana Jones, TSR, ouais, etc. Ouais. Tu vois. Pas que aussi, puisqu'il y avait aussi dans Savage World, Savo à l'époque, ouais. Le Pulp. Il y avait. Plus, of the Century plus, aussi, tiens. Plus récemment, t'as les Broken Compass hein, aussi. Broken Compass, ouais. Ouais. Bah oui. Donc, ouais, non, mais les années 30 sont moins connues. Clairement, parce que Cthulhu, années 20, voilà, tout. Quel rôliste ne connaît pas Cthulhu, quoi. Oui, enfin, en France, en tout cas, c'est sûr que. Ah, ouais. Oui, parce que. Bah, tiens, il est là, d'ailleurs. C'est bien. Oui. Bon, qui pour moi marche pas, mais c'est un autre problème. Oui, c'est un autre débat. Je l'avais chroniqué à l'époque. Bon, moi, il me plaisait bien, mais c'était des surcouches qui se rajoutaient sur déjà un système. Ils n'ont pas fait un système pulp, en fait. Ouais, qui est un peu fatigué. Mais ceci dit, les scénars étaient très amusants. Mais comme tu dis, c'est un autre truc. On est d'accord. Désolé. Alors, pour l'anecdote, quand j'avais commencé l'écriture au cœur des années 20, donc pour Sans détour, j'avais déjà quasiment fini l'écriture de Au cœur des années 30. D'accord. Sauf que, oh bah tiens, mais c'est vachement bien, sauf qu'il faudrait que ce soit pour les années 20. Bon, bah on recommence tout le boulot de recherche. Voilà. Et donc, ça fait depuis presque 15, plus de 15 ans que j'ai Au cœur des années 30, qui est sur mon disque dur, fini à 90%. Et bon, qui est beaucoup plus light, avec une approche éditoriale, pas 500 pages massives comme l'était Au cœur des années 20. Ouais. Et donc, bah, qui pourra être présent dans la gamme Archéos, parce que, bah, que j'allais dire, ouais. Est 100% fait pour au final. Hein. Oui, c'était pile poil dedans. Quoi, oui. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, je l'ai repris et j'ai même renforcé ça en rajoutant toutes les références de films, séries, etc. Tout ce qui va bien par rapport au genre. Quoi. Oui, c'est ce que, bah, de toute façon, c'est ce que tu avais commencé à faire hein, déjà dans les Archéos, effectivement. Où, par exemple, dans le tome 3, on avait une présentation générale de l'Asie. Par exemple. Dans les années 30. Ouais. Où c'était déjà vachement documenté, quoi. Hein. On rappelle qu'à l'époque, Wikipédia, ça commençait. Hein, c'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. Hein. Je me souviens que j'étais tombé à l'époque sur un site d'un Belge ancien colon au Congo. Ah oui. Et qui décrivait son quotidien sur son blog, qui décrivait son quotidien à l'époque coloniale belge. Et il décrivait ça dans plein d'articles sur son blog. Enfin, je ne sais même pas si c'était un blog à l'époque, enfin, sur son site, quoi. Et c'était juste un régal à lire. Et c'est du bonheur de tomber sur des gens comme ça qui donnaient leur témoignage. Et une matière première de première main. Voilà, et par exemple, ça, ce blog, enfin, ce site avait pas mal alimenté le quotidien du colon en Afrique dans les masques d'ébène. Oui. Ça permettait de vraiment avoir de l'info intéressante et puis de savoir comment ça se passait à l'époque. Si vous voulez une carte de l'Afrique coloniale, hein. Voilà. Ouais, donc il y avait toute cette partie historique. Donc que tu vas. Du coup, tu te resserres de ce que tu as créé pour au cœur des années 30 dans Archéos à venir. Ça permet de basculer gentiment, hop, regardez, je change de bannière, sur le kit de découverte. Donc, je te remercie parce que j'ai pu, alors je ne l'ai pas terminé, mais bien avancé dans la lecture du kit que tu m'avais gentiment envoyé il y a déjà une semaine, je crois, c'est ça à peu près. Peut-être bien, ouais, je ne sais plus. Ouais. De toute façon, ça fait un an qu'on discute d'Archéos, donc parce que ça, voilà, hein, on peut le dire maintenant. Donc voilà. Petit tour sur le site de Rafio Fringant. Bah, d'ailleurs, c'est quand même mieux si je mets le lien dans le chat. Et de toute façon, vous l'aurez sur la rediff YouTube dès demain. Voilà. Découvrez et testez gratuitement Archéos grâce au kit de découverte. Allons-y.
Je vais peut-être pas faire comme ça, parce que sinon j'y suis encore demain. Alors attendez voir 2 secondes. On va voir si j'arrive en direct live. Fred, vas-y, embraye, hein, le temps que je... Alors moi, c'est... tu veux que je meuble, quoi, c'est ça? Non, okay. Pas du tout. C'est bien préparé comme émission, c'est bien. Toujours. Ouais. Mais je te l'avais prévu. Hein. Je te l'avais prévu avant qu'on commence. Hein. Non, ce que girl est au top. Par contre, non, ce que je peux te dire, c'est que dans les kits de découverte, et j'en ai vu quelques-uns, ouais. et celui-là est vraiment, il est vraiment dans le top au niveau présentation, au niveau, enfin, t'as déjà tout dedans, quoi. Je trouve que effectivement, et au niveau présentation, il est vraiment au niveau matériel fourni pour un kit de découverte gratos, je trouve ça vraiment très très chouette, quoi. Vraiment très très chouette, quoi. Grand merci. Donc on est sur. Non, mais c'est mérité, vraiment mérité. Ouais. Je voulais quelque chose qui soit simple à prendre en main, qui permette de réellement découvrir les choses, pas à pas. Parce qu'à chaque page que tu tournes, bah, tu vas un petit peu plus loin. Et tu arrives à la fin, ouais. Tu n'as jamais eu à te poser de questions. Et c'était ça l'idée maîtresse. Parce que moi, je dis toujours, les starter kits, c'est bien pour démarrer ma tondeuse, mais autrement, je ne les prends jamais, quoi, parce que... Mais celui-là... Il y a starter kit et starter kit. Hein, ça dépend. On est bien d'accord. Hein, toujours pareil. Hein. Bah, je pense surtout celui de... je pense des starter kits en fait, payants qui valent pratiquement le prix du jeu. Et les gars, moi, je n'achète pas deux fois le jeu. Quoi, c'est tout. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Fred. Ouais. Parce que j'en profite. Lequel le voilà, je rebondis sur les deux. Comme ça, il n'y a celui-là. Pas de jaloux. Dans à peu près 15 jours, il y aura une version imprimée du kit disponible en boutique, donc vendue puisque c'est une version imprimée. Non, le PDF est disponible gratuitement, c'est normal. Et il le restera. Imprimé et voilà, imprimé donc payante. Ouais, mais le PDF restera. Le PDF restera disponible gratuitement, tout à fait. D'accord. Mais il y a aussi également une subtilité, même si la version imprimée de ce kit sera payante. Alors déjà, il y aura dedans, il y a les pré-tirés et il y a les cartes dans la version imprimée. Facilement découpables, sans abîmer l'ouvrage, donc un jeu parfaitement jouable et utilisable. D'accord. Déjà d'une part. Et d'autre part, dedans, dans la version imprimée, il y aura un coupon qui va permettre de se rembourser de l'achat du kit lorsque tu vas participer au financement participatif. Ah ouais, ça donc, c'est chouette. Le kit, finalement, sera gratuit pour ceux qui participent au financement participatif. D'accord. Voilà, parce qu'on ne va pas leur faire payer le kit et en plus le jeu. Justement, sur ce que tu disais. Parce que ce ne serait pas normal. Oh, ça pourrait, hein, tu me diras, vu les pratiques. Hein, moi, non, vu les pratiques, ça se fait beaucoup. Ouais, hein, ouais, ouais. Je disais. Ça. Mais. Moi, je sais que ça me ferait chier. Hein, ça me ferait chier de payer le kit et ensuite devoir acheter le jeu. Ou l'inverse. De me dire, merde, je ne vais pas avoir. Non, ça ne me plaît pas trop comme approche. Bon, ah, t'as l'ancienne version sans les illustrations complètes, Fred. Oui. Ah, ouais. Oui. C'est celle que tu m'as envoyée, je te rappelle. Tu n'as pas téléchargé la mouture officielle, donc. Bah non, moi je reste sur. Voilà, je reste sur. Voilà, tu vois, visuel, hop. Et voilà. Ah là. Super bien préparé l'émission, c'est aux petits oignons, je vous le dis. mais c'est route, tu vois, on est bien. Ah, on est sur le truc du travail, donc. Moi, je travaille sur des documents de travail, monsieur. Voilà. Tout ça pour se la péter, hein, je vous jure. Non, j'essaie de me rattraper aux branches, s'il te plaît. Un petit peu de compassion, quand même, pour le producteur. et les coulisses de l'histoire, donc qui reprend tout ce qui est photo, etc. Donc, hop, je reviens. Alors, j'ai changé un petit peu la formule, parce que ça, c'est une formule qui sera appliquée sur l'ensemble d'Archéos, c'est-à-dire qu'il y a l'aventure que tu vas pouvoir jouer. Et après l'aventure, tu auras systématiquement dans les coulisses de l'histoire, avec l'explication du contexte, mais aussi des choses qui ne sont pas forcément liées directement au contexte, mais qui ont servi d'inspiration pour l'aventure. Mmh. Là, par exemple, dans ce scénario, j'étais tombé sur des roses noires qui ne poussent que dans une région précise de Turquie. Et je me dis, putain, mais c'est génial, ça, c'est un truc, on peut en faire quelque chose. Et voilà, donc je l'ai intégré. Alors que bon, on n'est pas dans le même coin, c'est pas tout à fait pareil, enfin, etc., etc. Mais donc, j'explique. Voilà, dans l'aventure, il y a ça. Et voilà la vérité historique, contextuelle.
Donc, c'est d'accord. Un petit peu le principe. Vous vous souvenez des Mystérieuses Cités d'Or avec à la fin le petit documentaire? Ah, bah oui, bah, forcément. Voilà. C'est... Ou alors les Bob Moran, où à la fin, tu avais aussi les le chapitre qui expliquait, bah, donnait les références de ce dont quoi il s'était servi pour écrire l'histoire. Et je voulais rester dans cet état d'esprit-là pour donner bah, le bonus. Alors, du coup, donc voilà, ça c'est, comme je vous dis, hein, c'était le document de travail hein, de la semaine dernière. Il y a une semaine ou deux semaines, je ne sais plus quand est-ce que tu me l'avais passé, je t'avoue. Hein. Alors, il y a une semaine parce qu'il manquait quelques illustrations. Donc le scénario s'appelle Dans les griffes du chacal. Et donc on voit déjà des gens qu'on aime taper, hein, comme on le dit, hein, des méchants nazis. En même temps, alors ça, c'est la couverture du jeu. Hein. Ce sera la couverture de la boîte. Ouais. Voilà, celle-là. On retrouve donc les héros du premier Archaeos. Hein. Hmm du coup, hein, je reprends la couverture du premier. Voilà. Et on retrouve même le cristal. Oui. Hein. Hop là. Oui, voilà. On le voit mieux. Le cristal, c'est le même d'ailleurs ou pas? Peut-être. Je pourrais même pas te dire, en fait. Ouais. Tu viens de faire le lien. Je m'en étais pas rendu compte. Non, c'est... Et voilà, les personnages, vous pouvez voir. Et c'est le même illustrateur, hein, du coup. Hein. Ouais, c'est Mike qui a repris le flambeau pour cette nouvelle édition, et avec grand plaisir. Et on travaille vraiment en binôme là-dessus. Donc, il apporte beaucoup par sa patte graphique. Ben, là, c'est un magnifique exemple. Là, on voit le changement de maquette, hein, par contre. Hein. Voilà, le travail collaboratif avec inspiration sur de visuels d'époque. Dire que ce soit en termes de mise en page, de typo, d'ambiance et d'illustration et de colométrie. On a vraiment fait un travail de recherche pour être dans l'ambiance de l'époque. Ah, je ne veux pas te passer la brosse à reluire, mais effectivement, quand tu vois ça, tu es tout de suite dans le... tu sais où tu es, quoi. Tu sais où tu es immédiatement. Quoi. Et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc, voilà ce qui va arriver donc, en financement. Hein, c'est le 4 kg de pure pulpe. Ouais. En forme de boîte, avec tout le matos qu'on voit ici. Alors, je vais essayer d'augmenter un petit peu. Hop. Voilà. Donc ça, on aura l'occasion d'en rediscuter justement quand le financement sera lancé, hein, bien évidemment. C'est alors, surtout pour... Pas, il y a une page où on le voit beaucoup mieux après. Une double page, il est en gros plan. Ouais. Avec le 50-50 qu'on avait déjà vu. Hop, je me remets un peu. Donc pourquoi avoir écrit Arcus Adventure, ça, on vient d'en discuter. Le fameux code-barre pour s'inscrire sur le truc. Qu'est-ce que c'est le pulp, hein, plus ou moins, hein, sur quelques pages. Globalement, ouais. Les définitions à grands traits. Ouais. De manière synthétique. Oui, parce que sinon, on se fait comme le bouquin chez les moutons électriques, hein, on fait un bouquin de 300 pages minimum, quoi. Oui, c'est ça. Après, donc, comme on disait, les années 30 fantasmées, tu vois, je l'avais même pas fait exprès, mais bon, oui, c'est les années 30 fantasmées. Oui. Avec les petites cartes et les points qui se relient façon Indiana Jones, c'est un peu le truc quand même. Hein. On sait où on est. Comme le disait Fred, on peut pas se tromper sur la marchandise. On est d'accord. Un peu de réalité historique. Alors voilà, ça c'est les. Ben ça, on va se le garder pour après, hein, les inspirations. Ouais. Là, il y a des choses. Je crois que ça y était déjà hein, dans le premier. Donc les Grabraubers, comme ça que ça se prononce. Les Grabraubers. Ouais, ok. C'est l'unité mystérieuse d'élite nazie qui a le super méga pouvoir de carte de réquisition, signée par le petit moustachu lui-même. Ils sont pas nombreux, ils sont chiants et ils sont super balèzes parce que ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Oui, oui. Oh, tiens, on a besoin d'un U-boat, viens là. Oh, tiens, on a besoin d'une troupe, venez là, tout de suite. Et donc, là, c'est les Grabraubers, les ennemis principaux des héros, puisqu'ils sont à la recherche d'artefacts anciens, étant persuadés qu'une civilisation antédiluvienne a existé avec une technologie incroyable. L'Atlantide, la Terre creuse, l'Espagne et tout ça. Et cette fameuse civilisation, ils l'ont baptisée, on voit juste à côté à l'écran, ils l'ont baptisée les Arayans. Ouais. Donc le petit surnom qu'ils leur ont donné, puisque bien sûr, si une ancienne civilisation existait, à moins que je les ai laissé un écrit avec leur nom, on ne connaît pas. Donc les Arayans sont une civilisation disparue qui avait une technologie, mais pas forcément celle que pensait
auxquels pensaient les Grave Riders. Donc là, il y a vraiment, il y aura pas mal de choses à découvrir, et puis il y aura aussi la possibilité de faire un petit peu sa civilisation sur mesure en fonction de comment on a envie de jouer. Mmh. Si tu veux un truc vraiment plus historique ou complètement pété SF. Quoi. Ouais. Ouais, ça sera vraiment un petit peu à la carte en fonction du meneur. Mmh. Donc il y a des grandes lignes, mais voilà, chacun pourra personnaliser sa version. Et encore, excusez la double page hein, qui présente un petit peu tout le matos. Donc, un écran de jeu qui, effectivement, n'a plus trop grand-chose à voir avec la merveille du premier volume, hein, bien sûr. Non, tu peux zoomer dessus si tu veux, il n'y a pas de souci. Bah, écoute, regarde, on va essayer. Je vais dire, on va essayer. Incroyable. Et il y arrive. Waouh. Truc de dingue. Il y a un truc qui s'appelle Zoom, c'est... J'avais presque oublié. C'est fou, hein. Ouais, c'est la technologie. Incroyable. Voilà, là, tu as le résumé complet d'à peu près tout, hein. C'est ça, c'est le principe d'un écran. Les manuels. Donc là, effectivement, on aura la partie règles, la partie meneur et la partie aventure. Alors, le manuel du meneur et le manuel du héros sont conçus de sorte à se répondre et sont vraiment construits en symétrie. C'est-à-dire que dans le manuel du héros, tu as créé un héros. Dans le manuel du meneur, en pendant, tu as créé une aventure. D'accord. Puis tu as braver le danger et de l'autre côté, mettre en danger. Après, tu as l'univers dans lequel évolue le héros. Et en face, tu as l'univers avec ses mystères. D'accord. Donc vraiment, ces deux manuels qui sont écrits en parallèle, qui se complètent et qui se répondent. Et ce sera des couvertures en dur ou en souple, comme les premiers Oui, ce sera en souple, puisque c'est dans la boîte. Oui, c'est en boîte. Donc... ça serait pas, enfin voilà, il n'y aura pas grand intérêt à faire du hardcover pour mettre un surcoût inutile, dirons-nous. Ouais, comme disaient les collègues, une petite dédicace à des amis sur lesquels on a fait un déménagement, ça va peser sinon un âne mort. Voilà, déjà que la boîte fera à peu près 4 kilos, donc bon, hein. Ouais, voilà, ne rajoutons pas. Donc, ensuite, on a les différentes cartes dont tu parlais, dont on va reparler, la carte de fortune, cliffhanger, ace, carte de danger. La jauge d'intrigue, ouais, ça j'ai trouvé ça vraiment cool pour le coup. On va voir les fiches de décor et de clichés, ça c'est pour les ambiances, les cartes d'atouts, faiblesses, des jetons, la baraka, les fiches d'identité, donc c'est les fiches de perso, cartes de vécu, jetons d'intrigue. Donc voilà, on a tout ce matos. Ça fait un peu de... Il y aura également des points de réminiscence d'autres jetons qui seront bleus. Ouais. Le petit lien avec le cristal de la couverture, parce qu'en fait, ça fait référence à la science antédiluvienne, justement. Mmh. Et donc, les héros pourront gagner des points au fur et à mesure pour de mieux en mieux maîtriser et comprendre la technologie perdue. Un peu comme le Disney qui avait méchamment pompé sur Nadia le secret de l'eau bleue, là, c'est Atlantide, l'Empire perdu. L'Empire perdu, très bon, très pulp. Magnifique design, character design, Star de Mille, là, d'ailleurs. L'un des meilleurs Disney, clairement. Ensuite, alors là, c'est là où on va parler un petit peu des différentes mécaniques, et surtout, ça c'est ce que je t'avais dit en off, c'est la partie présentation. Parce que là j'avoue que les présentations de règles, l'âge aidant, et puis les façons de jouer changeant aussi, surtout. Hein, moi j'avoue que je ne suis pas tout seul sur la chaîne, mais me faire sortir des gros bouquins de règles et tout, je faisais ça avant, beaucoup moins maintenant, hein, clairement. Donc, plus c'est léger, mieux ça me convient, parce que ce sont les pratiques. Donc. Ce ne sont sûrement pas celles de ceux et celles qui nous regardent, hein, chacun a les siennes. Tout à fait. Mais j'avoue, alors je descends tout de suite, hein, que ça, les enfants, ça c'est bon. Voilà. Le niveau de danger, vous avez des schémas. En fait, ça ressemble énormément, c'est ce que je te disais, à des notices de jeux de société. C'est tout à fait le cas, c'est volontaire, parce que c'est simple à comprendre. En un regard, tu as l'ensemble des éléments. Et donc, ça te permet d'avoir quelque chose d'assez synthétique et de ne pas avoir à rechercher, à fouiller. Et je voulais vraiment quelque chose qui puisse être résumable en quelques doubles pages comme ça, très visuel. En cours de partie, tu vas pas. Tu te contentes de piocher sur ces doubles pages-là. Parce que ces doubles pages-là sont également présentes, bien sûr, dans les manuels de la version complète, où tu as juste besoin de te référer à ça pour pouvoir jouer
Tu as besoin de ces doubles pages-là pour voir le détail. Tu as besoin de l'écran pour avoir toutes les références. Mm. Et puis, voilà, tu as toutes les échelles, tous les jalons avec l'écran. Et là, tu as toute la mécanique qui est résumée. C'est vrai que ça, en général, c'est assez didactique et ça t'évite d'aller rechercher pendant de longues minutes en pleine partie la règle que tu as besoin et que tu ne retrouves plus. Ah, et c'est vraiment l'objectif de, l'objectif de ces règles, de toute façon, de l'approche éditoriale globale, c'est j'ai voulu qu'il y ait un minimum de renvoi de page, vraiment uniquement quand c'est nécessaire. Dire que l'idée, c'est que tu commences à lire le bouquin, à la page 1, tu arrives à la page 60, bah, tu n'as pas eu à feuilleter à gauche, à droite, tu as lu d'une traite et tu as compris et appris les choses au fur et à mesure. Et tu as envie de continuer. Et voilà, tu progresses dans la lecture et tu comprends au fur et à mesure. Ouais, donc là, on est sur la page donc, qui s'applique. J'arrive plus à parler. Le niveau de danger, donc, c'est la façon dont on gère les épreuves qu'on met dans les pattes des joueurs et comment on calcule les seuils de difficulté avec les jetons à miser. Donc, tu peux nous en parler un petit peu, justement, ce bruit. Oui, bien sûr. Donc, si tu veux, globalement, la mécanique fonctionne sur... d'un côté, tu as les héros qui vont prendre des risques. Alors, ils vont prendre des risques face à un niveau de danger. Le niveau de danger, le meneur va poser des cartes. Donc, il va y avoir des cartes qui vont être face visible avec un score indiqué et d'autres cartes qu'il va pouvoir poser face cachée. Une part d'incertitude et qui ne va que exister au travers de la description qu'il va faire de la situation. Donc, aux joueurs de jauger quel est le niveau de danger qu'ils vont affronter. Et en fonction de ce niveau de danger, de miser. S'ils remportent la mise, c'est-à-dire que si le score est supérieur aux cartes qui sont posées, une fois que celle qui est posée face cachée est dévoilée, ils remportent l'échange, le défi. Et donc, ils vont. C'est la version super synthétisée. Oui. J'imagine qu'après, c'est un peu plus étoffé. Tu remportes l'échange. Tu vas gagner, par exemple, tu vas faire une marge de 2 ou 3 points par rapport au niveau de danger. Le niveau de danger va baisser d'autant. Si c'est le héros qui perd, il va perdre des points d'audace et sa réserve d'audace va diminuer. Donc, en fait, c'est une mécanique extrêmement simple. Il y a une part de bluff, il y a une part de. OK, de qu'est-ce que je fais ? Je fais des choix tactiques, je me dis ok, je mise tant, mais je garde des points en réserve. Attends, je vais miser en faisant ça, et je vais miser 3 autres points en faisant ça. C'est-à-dire, prenons l'exemple simple du personnage. On va prendre, la scène d'Indy, Indiana Jones, le premier. Mm. Il vient d'échapper à la boule, il vient de se faire avoir par Belloc, et il se carapate face au putain d'Indien qui lui tire des fléchettes empoisonnées. Et donc là, merde, je tiens mon chapeau, je mise 2 points pour tenir mon chapeau parce que je ne veux pas perdre mon chapeau. Je mise 6 points pour courir comme un dératé et je mise 3 points pour esquiver les fléchettes qui me viennent dessus. Voilà. Et donc, tu vas pouvoir répartir les points comme tu l'entends. En prenant cette même scène, par exemple, imaginons maintenant notre petit Indy qui court avec l'idole qui pèse 3,5 kg d'or massif. Et qui se dit putain c'est trop lourd, ça me retient parce que voilà, en tenant ça c'est lourd et ça me coûte 4 points par tour, je suis obligé d'immobiliser 4 points d'audace là, ils vont me rattraper, je largue l'idole, je récupère mes 4 points que je réinjecte dans la course pour me sauver. Voilà, il va avoir des choix comme ça. Ah bah voilà. <L'idole>. elle est là. Alors, c'est la version Wish, celle-là. Attends, 7 km, c'est pas loin, là, il y a plein d'or pur. Non, donc, la mécanique, c'est vraiment, c'est une question de choix, c'est une question de fun, de comment tu t'impliques dans une action. Alors, il n'y a pas de hasard. Le seul hasard qui va intervenir, c'est au choix des joueurs. C'est-à-dire que s'ils misent plus de la moitié de leur point d'audace dans une action, genre, allez, on a le pool complet, on a 12 points. Je mise 7 points dans une action, parce que 7, 8 points dans une action, parce que je veux vraiment démouler la tronche à ce putain de Grab Reiber. OK. Eh bien, je suis prêt à prendre des risques pour le faire. Et si je mise plus de la moitié, donc plus de 6 points, je vais tirer une carte de fortune. Et les cartes de fortune, ça a un effet immédiat. Alors, soit tu as un putain de coup de bol, et donc, tu as un bonus, etc. Ou alors, les cartes de fortune, ou par exemple, filer aussi des bonus à tes alliés, ou te filer un bonus pour la suite. Enfin, ça peut être des effets, mais ils s'appliquent. Il peut rien se passer également. Tu peux avoir une carte neutre, il ne se passe rien.
ou tu as une carte de mauvaise fortune qui, là, se compose d'un mot-clé. Et ce mot-clé, c'est au joueur de l'interpréter. C'est un échec. Et il doit interpréter son échec. Pourquoi ça a foiré? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, genre, il tire une carte qui n'a rien à voir. Par exemple, dans cette situation, je veux foutre un coup de poing, il tire la carte à sec. À sec, comment ça, à sec? Merde, faut que je trouve une explication. Et donc, en fait, j'ai foutu toute la patate que j'avais et j'avais plus d'énergie. Voilà, ça peut être une connerie comme ça, tant qu'il y a une explication. Tu n'as pas forcément besoin de trucs alambiqués, tu vois, ça peut être une explication simple, etc. Ok, ça peut, ou alors ça peut aussi être je vais lui mettre une balle entre les deux yeux à ce fumier de Grabreuber, machin, blablabla. Clac ! Putain, le chargeur. Voilà, j'étais à sec de balles. Ça peut être ça. Enfin, voilà, il peut y avoir plein d'explications et ça peut créer du rebondissement. Après, bon, tu as des cartes qui peuvent être plus adaptées ou plus évidentes. Donc ça, c'est la part de hasard qui va être dans la mécanique, mais donc uniquement au choix du joueur. C'est lui qui décide s'il va tenter tenter le diable, quoi, finalement, enfin, prendre des risques. Il y a un autre cas de figure, comme tu le signalais tout à l'heure, il y a la pièce de Baraka, là, tu peux appeler la Baraka. Donc c'est en cas d'égalité, admettons que tu te retrouves en situation de statu quo, chacun a misé 12 points, 14 points, tiens. Et donc le joueur va choisir à ce moment-là et potentiellement de recourir à la chance pure. Donc il prend une pièce, donc il y aura une pièce de monnaie de 5 cents dans la boîte, et c'est un pile ou face. Et au pile ou face, tu gagnes, tu remportes la mise complète, tu fais la superbe réussite, tu perds, tu échoues lamentablement, mais lamentablement. Donc c'est vraiment, c'est la chance ultime, quoi. Vraiment la pure expression de la chance. Ça passe ou ça casse. Mais pareil, c'est au choix du joueur. C'est des options qu'il a. Après, bon, il y a plein d'autres subtilités dans la mécanique, hein, bien évidemment. Mais ça, c'est les principales. Alors là, je vois que tu étais sur les points d'intrigue. Hein. Oui, justement, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec le héros? En fait, c'est son archétype, ses différents atouts avec ses points, ses souvenirs dont on va pouvoir se servir, ses faiblesses, dont le MJ va pouvoir se servir, la réminiscence dont on parlait, avec le vécu, les différentes façons de combiner les actions, et les différentes cartes, dont la baraka et les points d'intrigue. Ouais. Alors, les points d'intrigue, c'est le cœur de la mécanique. C'est-à-dire que dans une aventure, tu vas avoir pas mal d'objectifs au fur et à mesure de l'aventure, genre récupérer l'idole, pénétrer dans le musée pour récupérer l'info, le manuscrit, etc. Ou l'objectif de choper telle information, l'objectif rentrer dans le temple. Voilà, tu vas avoir plein. Et pour ça, tu vas avoir des défis. Donc les défis, globalement, c'est une situation, c'est une action à l'issue incertaine où tu vas miser, etc., etc. Si tu réussis tes objectifs, si les héros réussissent les objectifs, ils gagnent des points d'intrigue. S'ils se plantent ou passent à côté d'objectifs, c'est le meneur qui va récupérer des points d'intrigue. Ouais, ça j'avais trouvé ça super malin. Ouais. Alors ça, dans le kit, ce n'est pas présent. Parce que il faut en garder aussi pour la version complète. Mais donc le héros, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec ses points d'intrigue? Eh bien, il va pouvoir faire plein de choses. Donc l'utilisation de base de points d'intrigue, l'utilisation un point, c'est de pouvoir bénéficier d'un bonus de 2 points sur une action à condition de créer un souvenir. Donc le joueur va raconter « Putain, mais les gars, vous inquiétez pas, moi j'ai traîné avec les pirates malais, ils avaient une technique infaillible. Le mec bourré, tu lui fais boire ça, tu vas voir, il est remis à plomb direct. » Hop, voilà, tu viens de te créer un souvenir, tu as un bonus de plus 2 pour dessouler le gars dont tu dois faire l'extraction, par exemple. Voilà. Ou l'interroger, etc. Et crac, tu as ton bonus. Et tu notes ce souvenir utile sur ta fiche. Donc, créer au fur et à mesure de la partie le background de ton personnage. Parce que quand tu as ton personnage initialement, on s'en fout un peu de son background, etc. C'est le principe du pulp. Quand tu vois un héros, la première fois à l'écran, tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu ne connais pas son histoire, etc. etc. Tu vas au fur et à mesure. Voilà, et tu la découvres au fur et à mesure. Et donc, je suis parti de ce principe-là, de dire, on va créer le background au fur et à mesure, et il faut qu'il soit utile. Il faut qu'il serve dans l'histoire, un peu comme ça se faisait dans pas mal de séries, où au fur et à mesure, à chaque fois, tu te dis, mais ils ont tout fait, quoi.
Chaque fois, ils ont un truc qui va bien dans l'épisode X pour se tirer de la situation. Bah, là, c'est un peu ce même principe, le souvenir utile. Pour deux points, ils vont pouvoir rajouter du détail à l'action, genre « putain, on est enfermé, etc. » « Ah ouais, mais regarde, là, l'eau, ça finit par bouffer le bas de la cage qui est campée en bambou. Il y a un point de fragilité. » T'influes sur la narration, quoi, du coup. T'influes sur la narration, un petit peu. Pour trois points, tu peux rajouter du flashback qui va donc changer la donne sur le présent. Tu rajoutes un petit flashback. « Ouais, mais attends, tout à l'heure, j'avais anticipé. » Là, voilà. Et pour 4 points, tu as le Deus Ex Machina, qui est l'expression même du pulp en tant que tel, qui est... Et soudain, une météorite tombe sur le méchant. Non, mais on est dans une situation de merde. Et tout. Bougez pas. Là, il y a des révolutionnaires qui débarquent et qui viennent nous fouler un coup de main. Ah ouais, on est dans une république bananière, il y a des révolutionnaires qui étaient dans le coin. Voilà. T'as la panthère qui saute sur le dos du grand méchant qui est face à toi. Genre, voilà. Subitement, t'as un avion avec des parachutistes qui débarquent. Hein, quoi. Bah, le Deus Ex Machina dans toute sa splendeur. C'est ce que je disais, ça, la météorite ou l'éclair qui te tombe sur le coin de la figure. Ouais. Donc là, c'est l'expression totale de la prise en main de la narration au final sur le reste. Mais bien sûr, pour ça, il faut gagner des points d'intrigue et donc remplir des objectifs du scénario. En sachant qu'à chaque fois, tu as des objectifs, enfin, dans les aventures, tu as des objectifs plus ou moins évidents. Donc ça, ça va être au fur et à mesure du scénario où tu vas avoir effectivement des objectifs à remplir et qui vont te donner des points. C'est bien ça, quoi. En fait. Ouais. Donc ça, c'est défini dans le scénar, quoi, en fait. Dans le scénario, tu n'as pas d'objectif. Ouais. Et globalement, bah, par exemple, c'est faire l'extraction de la tablette du musée du Caire. Okay. Il faut la faire discrètement. Nous connaissons tous nos tablés joueurs, ils sont capables d'extraire la tablette, ils ont réussi leur objectif. L'objectif secondaire, c'est discrètement. Bah, ils sont passés à côté d'un point d'intrigue. Et ce point d'intrigue, c'est le meneur qui va se le récupérer. Ouais. Et donc, les points d'intrigue, tu parlais tout à l'heure de la piste d'intrigue qui est fournie. Les points d'intrigue gagnés, sur cette piste, tu as deux colonnes, une pour les héros et une pour le meneur. Et en fonction de qui gagne les points, on les pose dans la bonne colonne. Et ce qui permet d'avoir cette jauge au fur et à mesure de la partie pour savoir, tu vois tout de suite si les héros ou le meneur ont l'ascendant. Donc tu as soit l'épée de Damoclès, soit, putain, on est trop fort. Et, sauf que derrière le trop fort, le MJ, il a quand même deux, trois petites subtilités assez sympathiques aussi. Parce que, on remettre une couche à chaque fois. Quand les héros deviennent un peu trop forts, les méchants se disent « Ouh, mais merde, mais ils sont chiants, eux. Il faut qu'on fasse quelque chose. » Donc voilà, c'est vraiment pour retranscrire tous les artifices qu'on trouve dans quasiment tous les récits pulp. Il y a combien... j'ai lu, je ne sais pas, peut-être 150 Bob Moran. Tu vois, je me suis rattrapé entre-temps. Oui, ça va. je crois que dans les 150, il est à chaque fois prisonnier. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui lui sauve la couenne. C'est un truc de fou. C'est récurrent, mais comme c'est pas permis. C'est pas que dans les Bob Moran. Hein, Sa place est dans un musée. Oui, je l'avais aussi. Dans les indies, par exemple, combien de fois il est prisonnier, combien de fois il est emmerdé, et combien de fois il est sauvé par un tiers. Au début, où il se fait capturer à chaque fois, quoi. Puis l'exemple avant, c'est dans le Temple Maudit. Sans 2001, c'est 2001 qui fait tout, quoi. Oui. Le héros, effectivement, c'est pas forcément le fier à bras qui est la superstar. C'est surtout quelqu'un qui a beaucoup de chance. Ah oui. Il a beaucoup, beaucoup de chance. Et il a beaucoup d'amis. Toujours bien entouré, ouais. Ça, c'est marquant, effectivement. Ouais. Et là, donc, on est sur la page qui décrit tout le déroulé d'un tour de jeu. Ouais. Pareil, avec les codes couleurs et tout, tout ce qui va bien. Sur les prises de risque, les résolutions et tout, les marges de réussite. Donc, ça, on est pas mal. Et les aventures. Donc, ça, j'avais vu les niveaux d'aventure. Ouais.
Donc niveau 6, c'est débutant. Niveau 12, c'est hardcore de chez hardcore. C'est ce que j'ai cru comprendre. Hein. Oh, c'est même pas dans ce sens-là. C'est vraiment la complexité, la longueur de l'aventure. D'accord. C'est vraiment sur ce principe-là, c'est-à-dire qu'une aventure niveau 6, c'est une aventure assez classique, standard, tu peux faire en une à deux, trois sessions. La niveau 12, c'est, ouais, il se passe beaucoup, beaucoup de choses, il y a plein de monde, il va falloir structurer le cerveau quand même. Et prendre du temps. Donc là, ça fait cover de pulp ou de vieux films, hein, clairement. Hein. Bah, clairement, oui. Là, c'est Taxi pour Tobruk, le monsieur, là, hein, en premier plan. Hein. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que ouais. Ça m'a rappelé. Hein. Ah ouais, c'est... Les dirigeables, les zeppelins, pardon. C'est ta fameuse rose noire sur la droite, là. Ouais. Ah bah ouais. Donc, le matériel... Donc là, besoin... ouais, en bas, la fiche technique de l'aventure. En fait, en lisant ça, tu sais exactement où tu vas mettre les pieds dans l'aventure. Et donc, systématiquement, les scénarios seront présentés de cette manière-là, sur le principe affiche de film, avec bah, les données techniques de ce qui se passe dedans, si l'aventure correspond ou pas à ce que tu as envie de jouer ou à ton groupe. Donc là, c'est plus des archéologues, baroudeurs, pilotes. Ouais, vas-y, Fred, excuse-moi. Non, je disais justement, la présentation là était assez intéressante parce que justement, sur un visuel style, effectivement, affiche, quoi. T'as le résumé, enfin oui, pas le résumé, mais ce que où tu vas aller quoi dans la ouais, t'as les grandes lignes, les grandes lignes, et ça c'est sympa, ouais. Ça, c'est vraiment sympa, c'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir, ouais, c'est malin, ouais. Parce que même dans les autres jeux pulp que j'ai pu lire, ça j'ai jamais vu quoi. L'idée c'est d'être en immersion quoi. Bah là, en tout cas, sur les visuels, c'est réussi. Quoi. Ah ouais. Il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Hein. Hop là. Et donc là, on a l'intrigue hein, avec les différents événements, les adversaires, les alliés. On va passer, hein, bien sûr, peut-être pas vous expliquer tout ce qui se passe dedans. Donc, vous avez bien compris qu'un taxi pour Alep, un taxi pour Tobruk, toute ressemblance est a priori peut-être quand même un peu voulu. Hein, voilà. Avec des titres comme un taxi pour Alep ou du Rififi à l'Atari, je pense qu'on est à peu près dans une ambiance. Ouais, Villégiature à Palmyre, ouais, donc voilà, on est sur des choses... Donc ça, c'est nos différents protagonistes. Oui, hein, c'est ça. Mm-hmm. Ça, c'est les PNJ, hein, ça. C'est les protagonistes, ouais. Alep, rien de nouveau, ça alors. Oh. Oh, le jeu de mots foireux. Ah, il a osé. Ah oui, bah, hop. Bah oui. les différents personnages, donc, on disait, oh, du Rififi à l'Atari. Ok, d'accord, ouais. Que tu disais. Ouais. En fait, tu nous fais de l'OSS 117 aussi. Ouais. Off. Et les coulisses de l'histoire, donc, qui est, comme tu disais, hein, le petit générique post-crédit. Tout à fait. Laissez-moi vous raconter la grande histoire. Voilà. Alors, c'est utile pour le meneur, figure-toi. Bah oui. Et il n'y a pas que ça, hein, parce que moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans le jeu de rôle, c'est de découvrir justement des époques, des trucs qu'on ne connaît pas forcément. Et le jeu de rôle permet aussi de un peu se cultiver quand même, les enfants. Donc oui. C'est bien. Parce qu'il n'y a pas que des dragons tout le temps. Non, il y a des djinns aussi. Il y a des djinns. Tu t'es arrêté sur cette page, et tu vois la photo de ce couple. Oui. C'est donc la comtesse Marga d'Andurin. Qui est un personnage historique qui a réellement existé, lit son descriptif, tu vas halluciner. C'est un personnage, mais hallucinant. C'est incroyable que ça dépasse la fiction, de loin. C'est aussi un des grands plaisirs de pouvoir retrouver ce genre d'anecdotes, ce genre de personnages qui sont complètement incroyables et qui jalonnent l'histoire. Et les cartes postales dans le kit de découverte, ouais. Tu peux les utiliser comme aide de jeu, ce genre de choses. Tout à fait. C'est ça, c'est l'idée. Mmh. C'est vraiment fait pour mettre les joueurs dans l'ambiance. Dans l'ambiance, oui. Ouais, Palmyre, purée. Je sais pas si vous aviez vu, il y a eu des reconstitutions 3D de ce que c'était Palmyre, ça c'est incroyable. Ah, hein. Ça j'ai pas vu. Magnifique. Ah, c'est magnifique. C'est fou, hein. Et donc voilà, bon, on revient sur le contenu de ce qu'il y aura dans cette fameuse boîte. Voilà, ouais. Le petit QR code
Donc ça, c'est le kit de découverte. Alors moi, effectivement, comme je disais, comme j'ai la version de travail, ben, j'ai pas les prêts tirés, etc. Hein, qui sont dedans. Voilà. Attends, tu les as vus. Oui, oui, tout à fait. Ben, c'est ceux qu'on a sur la cover, de toute façon. Hein. Hop, je remonte. Non, je les avais envoyés, les prêts tirés. Ah oui, ils étaient à part, c'est vrai, autant pour moi. Oui. Ouh là là. Justement, pourquoi tu es de quoi faire. ça va aller. Donc ça, c'était le kit de découverte. Donc, je ne sais pas où j'ai mis les autres, je t'avouerai. Bon, ce qui compte, c'était voilà, que de toute façon, le but, c'est surtout que vous alliez télécharger le kit de découverte, que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ouais, au moins, vous aurez une version complète, pas comme lui. Voilà, vous aurez l'air un peu plus crédible. C'est pas difficile. Hein. C'est dans la longue liste des chroniqueurs sur un des 100 podcasts. Alors donc, il faut quand même le dire, ce kit de découverte, bon, non seulement est assez complet, mais il permet vraiment de jouer avec la mécanique du jeu. Il y a tout ce qu'il faut. C'est pas, même si c'est une version tronquée, parce qu'il n'y a pas toutes les options, etc., il n'y a pas toutes les subtilités, il est 100% jouable. La mécanique est complète dans la mesure, dans le sens où voilà, on peut largement s'amuser avec. Le scénario, c'est pas un scénario vite fait sur le coin d'une table, histoire de dire. C'est un scénario avec une véritable histoire travaillée, complète, et qui est plutôt chouette. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à l'écrire, à le réfléchir. C'est pas l'estime. L'estime à combien de temps en fait de jeu? Lorsque nous étions jeunes et beaux, j'aurais dit de 19h à 11h midi le lendemain, en se faisant plaisir. Là, je l'estime à 2 à 3, 4 sessions de jeu quand même. Ah, quand même, oui. Donc, c'est quand même quelque chose de très, c'est déjà quelque chose de conséquent, quoi. Oui, il est très simple. Franchement, c'est pas une intrigue très compliquée, mais la richesse du contexte et des éléments font que les joueurs peuvent partir dans plein de directions. Il peut se passer plein de choses. Et donc là, ça va vraiment dépendre de comment ça va se passer autour de la table. Ah, bah oui, bien entendu. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Il y a largement de quoi faire. Ouais, on est pas mal. Donc, j'ai remis le lien, mais de toute façon, je le mettrai dans le descriptif de la vidéo sur YouTube dès demain. Hein. Et comme je le disais, de toute façon, je vous le redirai à la fin de l'émission, mais demain matin, 7h30 du mat, pour ceux qui vont partir bosser, vous aurez la version podcast de tout ce qu'on est en train de déblatérer, et plus tard dans la journée, la rediff YouTube. Voilà, mais en tout cas, vous aurez les liens. Ça va nous permettre de basculer sur la partie la plus longue, parce que là, c'était les préliminaires, là, pendant 1h24. Bon, on va pas. Je crois qu'on se laisse encore une petite demi-heure quand même, parce que sinon. Je te dis, je les prémices, oui. Oui, c'était les inspirations, parce que c'est. Comme on le disait à un moment donné, hein, le pulp, c'est tellement vaste, c'est tellement de genres différents, c'est tellement de romans, de films, de séries, y compris modernes, hein, qui reprennent l'esthétique. Je pense à il y a quelques années, Lone Ranger ou John Carter. Oh, John Carter. Flops, hein. John Carter. Ça a été des flops, mais c'était extraordinaire, hein, extraordinaire. Comme je trouve. Hein. Ah, John Carter, j'avais beaucoup aimé, j'ai vraiment été. Enfin, je sais pas, lui, il n'a pas dû, c'était un flop, et on n'aura jamais la suite. J'ai jamais compris pourquoi ça a été un flop. Jamais. Oui. Mais bon. Les inspirations. Alors, déjà, par rapport à Archeos, il faut dire une chose par rapport au pulp. Ouais. Archeos se concentre sur le genre aventure exotique. D'accord. Où on est vraiment sur les récits d'aventure, etc., avec à la marge de la science merveilleuse. Et des choses comme ça. Un truc un peu fou, ouais. Mais voilà, on est principalement sur ce genre-là. C'est-à-dire, on va être dans la veine Indiana Jones, Tomb Raider, La Momie. Fu Manchu. Voilà, Fu Manchu, etc. Mais on va y revenir après à ça. Mais voilà, on va plus être sur ça, ou alors sur des choses plus anciennes, comme par exemple Perils of Nayoka, Jungle Girl, ou des choses comme ça. Ah oui. Où on est vraiment voilà, dans la chasse au trésor, l'exotisme, la jungle lointaine, etc., etc. Qui est un des genres du pulp. Un des genres. Et c'est une toute petite partie du pulp. Oui. Voilà. Donc, on se concentre surtout sur ça, en faisant bien sûr plein de références aussi au reste, parce qu'il faut se faire plaisir. Mais voilà, c'est l'axe principal. Est-ce qu'on aura toujours les trucs à la Tarzan où le seul qui se casse la gueule d'une falaise, c'est le type qui est de la région? Normal. Tout dépend du meneur. Oui. Tout dépend du meneur.
Mais c'est bien possible. Le héros se casse la gueule de la falaise, mais il se rattrape à une racine qui dépassait. C'est ça. Tandis que le porteur, ah, lui, il fait bien les sentiers, lui. Le porteur, il s'est accroché justement au truc qu'il portait. Quoi, donc, c'est ça. Ce qui fait qu'il descend plus vite. Oui, aussi. Donc c'était cet esprit-là. Et c'est vrai que moi, j'ai les Rocket Rangers dans le genre un peu science un peu fou-folle, quoi. Et avec des nazis, du coup. Ah oui, oui. Donc, d'ailleurs, regardez le film Rocketeer, si vous ne l'avez pas encore vu. Merveilleux. D'ailleurs, pour info, Rocketeer, c'est une création de 1984, le comics. Mmh. Ouais. C'est pas d'époque. C'est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que c'est tellement bien fait. C'est vrai que tu pourrais croire. Vraiment l'impression, mais non. Ouais. Non, non. C'est 1984. Ouais, puis tu as le jeu vidéo sur Amiga à l'époque. Voilà, Amiga, hein. C'était Rocket Ranger. Alors, j'avais l'Amiga, mais alors le jeu-là, je ne me rappelle pas du tout. Ah si, moi, ouais, parce que c'était CinemaWare qui te vendait des jeux comme au cinéma, avec le découpage en plusieurs types d'actions et tout. Ah, c'était vraiment dingue, quoi, ce truc. Et ouais, c'était clairement pop. Tu avais les It Came From The Desert aussi, avec les astres géants. C'était cette boîte-là, quoi. Les Defender of the Crown, c'est la même boîte. Les fameux Defender of the Crown, ça, qu'est-ce que j'ai pu jouer, bordel. Ouais, ouais. Avec la sublime Jennifer Connelly dans Rocketeer, oui, je confirme, oui. Ou Dark City aussi, ou Labyrinthe. Ben bon, bref, elle a joué tellement drôle. C'est incroyable. Je vois que Gébran en a vu Rocketeer au cinéma. Ah ben oui, ben écoute, beau souvenir. Beau souvenir. Oui, oui. Mais d'ailleurs, en parlant cinéma et pulp, un film qui est très emblématique du genre, c'est The Shadow. Oui, bien sûr. Baldwin, des années 90, qui vraiment reprend tous les codes du pulp. Bon, il faut dire que The Shadow est déjà un personnage emblématique des pulp. Le film est très, très bien parce qu'il reprend vraiment les codes, de A à Z. Si on veut rester aussi dans le cinéma qui rend un très bel hommage au pulp, on a Sky Captain and the World of Tomorrow. Ouf, oui. Ah oui. Là, bah, on ne peut pas faire plus pulp que ça. Hein. Ah, voilà, avec les robots géants, le docteur... Il y a tout le Shangri-La. Moi, j'avais adoré l'esthétique, hein, personnellement. Le film n'était pas fifou, mais c'était incroyable. Quoi. Non, le film n'est pas fifou, et pourtant, ça passe bien. Mm. Une esthétique incroyable. Les porte-avions volants... C'est complètement barré, c'est génial. Ouais, bah, alors du coup, ce que tu mettais dans le kit en inspiration, parce que bon, j'ai vu qu'il y en avait quand même quelques-uns. Pour les on n'a pas cité Indiana Jones, hein, ou Tomb Raider, parce que ça, je pense que. Voilà. Uncharted, en fait, c'est un peu l'héritier. Voilà, alors Indy, la momie, Tomb Raider. Voilà, là, ok, ça, on met de côté. De toute façon, c'est tellement évident que bon, on va peut-être passer à autre chose tout de suite. Oui. Je regarde, donc Conan Doyle, Blake et Mortimer, forcément. Oh, fatalement, oui. Ouais. Oui, c'est Blake et Mortimer. Notamment, je trouve que celui qui est le plus marquant, enfin qui m'a le plus marqué tout du moins, c'était le piège temporel. Non, c'était... Le piège diabolique. Le piège diabolique, voilà. Avec ce truc qui les envoie dans le temps. Enfin, c'était assez incroyable. Flash Gordon, bonsoir Tim. Flash Gordon, et j'ai aussi vu Phantom Empire, là dans le commentaire. Mm-hmm. Le serial de 1940 et 41, si je me souviens bien. Quoi, Flash Gordon, c'est peut-être 1939, peu importe. Remarque, je dirais aussi, tu sais, dans les. Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Ouais, on est complètement incroyable. Dans l'esprit, quoi. Mais vraiment. Ouais. C'est ce qu'on disait, on avait fait une spéciale film de Hong Kong avec Romain Duissier et puis Nicolas Henry. Et justement, on disait que Carpenter, c'était peut-être le seul qui avait compris ce que c'était les films de Hong Kong, quoi. Avec un putain d'hommage sur ce film, c'est incroyable. Quoi. Oui. Et Jack Burton, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, il est entouré et il a du bol, quoi. Mmh. Ah oui, lui, il est là, c'est le spectateur, quoi. Hein. Voilà, c'est, bah, la scène dans Jack Burton où
Il tire le flingue. Un morceau de plafond qui tombe. Et il est à chaise de scène, quoi. Voilà. Oh, bah, c'est cool. Ah, c'est... Ok. Superman, bah, c'est les premiers comics des années 30, hein, Superman, je crois, c'est ça. Hein. Superman, c'est 1940, je crois. Ouais. Si je me souviens bien. Par contre, Batman, c'est 1938. Ah oui, c'est avant. C'est le Detective Comics, de toute façon. Ouais, dans Detective Comics numéro 1. Avant lui, bah, il y avait The Shadow, notamment comme héros. Ouais. Si on remonte encore plus loin, donc il y a tout ça, c'est ça a été adapté en sérial, donc l'ancêtre de nos séries actuelles. Ouais. Donc, qui étaient les petits films de 20 minutes qui étaient projetés avant le film au cinéma et qui se terminaient systématiquement sur un cliffhanger, le cliffhanger étant à chaque fois le héros qui meurt. Et le public revenait la semaine suivante voir la suite. Au revoir. Bah, et oui. Recommençait l'épisode. Donc, il y avait 5 minutes sur les 20 minutes déjà. C'était la reprise de ce qui s'était passé, juste du final, de comment le héros mourait. Sauf que tu avais 3 images qui changeaient et qui montraient comment il s'en était sorti. Donc, le coup... mince, il est tombé de la falaise. Mmh. Et dans le suivant, ben, on voit accroché à une racine. Voilà. Alors, je reprends quelques auteurs. Je vais les citer en cascade, puis on en discute ensuite. Ouais, vas-y. Tu avais du Blood and Treasure, du Bob Moran, forcément. Alors, Blood and Treasure, excellente série récente. Surtout la première saison qui mélange habilement les années 40 et le contemporain. Ouais, il y avait aussi une narration parallèle entre les années 40 avec les nazis et les années puis 2010-2020 par là. Alors, je me souviens plus du tout du titre de la série, pourtant j'ai le générique en tête déjà, tu vois. Ouais. Avec Bruce Boxleitner qui jouait en Birmanie ou avec les méchants japonais. Frank Buck, chasseur de tigres. Merci. Chasseur de fauves. Chasseur de fauves. Ouais, c'était pas mal aussi, si on veut changer un peu d'ambiance. Edgar Rice Burroughs, parce que quand même, hein, Tarzan. Edgar Rice Burroughs, clairement, ouais. Vraiment ouais. Pas rien. Bah, déjà, il a fait trop de choses pour ne citer que Tarzan. Qui est Lucidar. Forcément le plus intéressant, Tarzan d'ailleurs. Non, clairement. C'est très primaire, c'est très basique, Tarzan, quand tu le lis. On est très loin des films Tarzan qu'on connaît ou des adaptations qu'il y a eu plus tard. Les Tarzan de Rice Burroughs, c'est du très très primaire, limite chiant des fois. Par contre, le Pellucidar, c'est dingue. Hein. Le cycle de Caspak en 2 volumes est exceptionnel. L'adaptation ciné des années 70 n'est pas très très bonne en comparaison des bouquins. Mais putain, mais c'est exceptionnel comme cycle. C'est incroyable. Et puis, John Carter. Le cycle de John Carter dont on parlait tout à l'heure pour le film, là, ouais, on est dans du pulp. Incroyable. H.G. Wells, c'est vrai que on connaît comme étant un des pères de la science-fiction moderne. Ouais. Mais il touchait pas qu'à ça, hein, on est d'accord. Non, il a touché à énormément de choses. Bah, comme Conan Doyle, tout le monde le connaît comme Sherlock Holmes, mais c'est aussi Le Monde Perdu, Professeur Challenger. Alors, c'est tout le cycle de Challenger. Ouais. Où tu as donc Le Monde Perdu, tu as La Ceinture Empoisonnée, tu as quoi encore ? Oh, je sais même plus. Au Pays des Brumes, même si celui-ci est particulier, puisqu'en fait, c'est une défense des cercles spirites. C'est un véritable documentaire, ce livre, sur les cercles spirites dans les années 20 et 30. Bah, tu avais justement le spirit aussi. C'était un. Oui, il y a un héros, oui. Un héros spirit, un héros pulp, alors je ne sais plus c'était qui a écrit ça. Je ne sais plus. Alors, si je retrouve. Alors, Fantomas, oui, clairement, parce que c'est. Je veux dire, on est dans. Parce qu'on parle là d'auteurs anglo-saxons, mais on ne va pas oublier que énormément de productions viennent de France. Hein. Énormément. Mais avant de revenir à ça, pardon, Wells, il n'y a pas que Challenger, parce qu'il a écrit aussi. Le gouffre de Morocco, notamment, qui est une nouvelle super intéressante sur un délire Atlantide au final. Quand tu la nouvelle, elle est super intéressante. Et Le Monde Perdu, bien évidemment. Et pour revenir sur H.G. Wells, L'île du docteur Moreau, avec les hommes animaux, avec ses expérimentations. Il y a La Machine à explorer le temps, L'Homme invisible. C'est vraiment des incontournables où on est sur les origines.
globalement, puisque bon, là, on parle de la fin du 19e siècle quand même. Hein. Donc, on est bien antérieur. Et en auteur français, ouais, donc là, un dernier auteur anglo-saxon, alors que franchement, moi j'adore hein, personnellement, parce que tu l'as cité dans les films, mais c'est Henry Rider Haggard. Henry Rider Haggard. Alain Quaterman. C'est mon auteur fétiche, clairement. Les canaux de. Comment il s'appelle Ah, je ne me souviens plus du titre, c'est terrible ce soir. J'essaie juste de retrouver. Les canaux. C'est pas les canaux de Navarone. Non, pas du tout. Tu confonds avec Dengarig. Oui, voilà. C'est pas Rider Haggard. C'est un autre auteur. Merci. Le nom m'échappe, mais c'est beaucoup plus Lovecraftien comme auteur. Oui, ça fait partie de ces gens de cette époque-là. Mais Rider Haggard a notamment écrit tout le cycle de Elle qui doit être obéie, dont fait partie le récit d'Alan Quatermain. Ouais. Sont magnifiques ces bouquins, juste magnifiques. Et Rider Haggard a quelque chose de très particulier, c'est un Anglais qui vivait en Afrique du Sud et qui était fou amoureux de l'Afrique. Et quand tu lis ses romans, tu sens l'amour qu'il a de ces pays. Mmh. Et c'est bluffant de voir à quel point les personnages qui d'habitude sont les colonisés, donc le noir, globalement, est le véritable héros du livre. Mmh. Et ça, à la fin du 19e siècle, c'est assez incroyable. Fondamentalement humain, c'est un véritable auteur humaniste. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que tu n'es pas du tout dans un discours colonial, tu n'es pas dans le blanc qui débarque et qui résout tout. Pas du tout. Pas on voyait plus dans les films, pour le coup. Beaucoup plus intéressant et beaucoup plus subtil que ça. Ouais. Donc l'auteur auquel je pensais, c'était William Hope Hodgson. Voilà, ça y est. Hodgson, ouais, voilà. Qui est plus sur la branche fantastique, effectivement, mais qui est quand même assez pulp aussi, hein, de toute façon. Hein. Tiens, dans les Français, t'en penses quoi? Ça peut rentrer dedans Arsène Lupin, en fait, tout bêtement. Ah, complètement. Ah, oui. C'est des romans feuilletons. On est complètement dedans, quoi, dans de l'ambiance pulp. Hein. En auteur français, il y a un auteur moi, qui, pour Archéos, m'a beaucoup influencé. Je peux pas dire ça parce qu'il y en a trop. Mais c'est José Moselli, qui est un auteur des années 20, qui est complètement méconnu. Ouais, malheureusement. Il a écrit il a pendant très longtemps été le romancier sans roman, parce qu'il n'était édité que en feuilleton. Ouais. Et ce n'est que bien après sa mort que Marabout a ressorti une série de feuilletons sous forme roman. C'est vraiment fantastique, non ? Le premier roman de cet auteur, en fait. Des années après sa mort, et il a écrit énormément de romans, énormément de trucs. Et là, on est dans du pulp pur et dur, du voyage autour du monde, de la guerre sous les océans, des personnages. C'est absolument hallucinant, hallucinant. C'est José Moselli, donc comme ça se prononce, ça écrit comme ça se prononce. Il y a pas mal de ses livres qui sont disponibles dans le domaine public, et son livre le plus connu, c'est La fin d'Ila, qui est un récit sur la fin de l'Atlantide, avec un rebondissement final qui est assez sympa, d'ailleurs. La guerre des océans, c'est aussi un super bon roman. Il y en a plein, plein. Ouais, de toute façon, les auteurs, c'est un de ces jours, on essaiera de se faire une émission spéciale SF année 10, année 20 en France, avant que ça... Bah, que ce soit invisibilisé, hein, on va dire ça comme ça, plutôt. Hein. Clairement. Oui, hein. C'est vrai. Mais c'était une production énorme. Les surhommes, hein, les premiers, c'était les années 20, années 30. Oui. France, Angleterre. Hein, après, on va dire que les fascismes étant passés par là, c'était un petit peu plus dur d'utiliser les thèmes des surhommes, on va dire ça comme ça. Le thème passez-moi, effectivement. Oui, voilà. Ouais, voilà. Et par contre, on l'a retrouvé du coup aux États-Unis. Tout à fait. Avec les super-héros. Bref, on pourrait refaire. Captain America, c'est exactement ça. Hein. Oh, c'est ça. C'est complètement ça. Hein, Et je regarde, donc pour ceux qui étaient plus jeunes dans les années 80, donc les Mystérieuses Cités d'Or. Et pour les plus jeunes, il y a des nouvelles saisons. Alors, ouais, images 3D et tout, mais elles sont toujours dans cet esprit-là. Donc c'est toujours dans le même esprit. Ah, ouais. Ouais. Les Mystérieuses Cités d'Or, clairement, on peut difficilement passer à côté sur le genre. Même si ça ne se passe pas dans les années 30, on est complètement dans le délire, quoi. Ah ouais, clairement. Bon, Rudyard Kipling et l'homme qui voulut être roi, oui, bon, alors ça, c'est des gros chefs-d'œuvre. C'est le chef-d'œuvre absolu.
Tintin, voilà, ouais, l'aventure ouais. avec un grand A. Ah, The Librarian, c'est la série. La série avec Noah Wyle. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais plus le titre en français. Il y a qui sont embauchés comme libraire et qui se retrouvent à chercher des artefacts aux quatre coins du globe. Ouais. Et après, il y a la série en tant que telle avec une équipe avec où chacun a des spécialités. Voilà. C'était Flynn Carson. Oui, j'ai plus Carson, voilà. Et là, pareil, c'est complètement barré. C'est du gros foutraque, c'est du n'importe quoi. Jumanji, Oui. Bah oui. Jumanji, bêtement. Jumanji, bien évidemment. Jules Verne, King Kong, ouais, ça fait partie hein, de ce que tu as cité. Effectivement, c'est des choses qu'on reconnaît. Moi, j'aime bien la série Relic Hunter. Ouais, j'ai vu que tu l'as mise. Oui. C'est vraiment sympa pour le coup. Oui, connu sous le nom de Sidney Fox. Aventurière. L'aventurière. Il y a plein d'épisodes qui sont sympas. Bon, elle a des pourris, des chiants. Hein, faut bien dire ce qui est. Hein. Mais, et voilà, bon, c'était putainment sympa, surtout à l'époque. Et il y a de très bons épisodes. Il y en a qui sont très, très bien. Bah, j'allais dire, de toute façon, les Xena et Hercule de l'époque sont dans la veine pulp, de toute façon, aussi. Oh oui, clairement. Sur la façon d'être raconté, etc., dans le n'importe quoi. Oui, c'est du grand n'importe quoi. Ça on est d'accord. C'est... Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Ça a donné, d'ailleurs, deux excellents jeux de rôle. On le rappelle, ça a été adapté en jeu de rôle. Hein. Tout à fait. Oui. Ils sont encore après, il y a plein de choses que je n'ai pas mis hein, dans la liste, bien évidemment, parce que c'est impossible. C'était juste donner quelques références. Hein, parce que... Ouais. Ce que je ferai, c'est que je mettrai aussi les liens vers les conférences qui ont été faites au campus Miskatonic l'an dernier, justement, sur le pulp. Il y avait Jean Balsezac qui en avait tenu une, d'ailleurs. Comme ça vous permettrait d'aller creuser si vous voulez en savoir un peu plus. Nous, à l'occasion, on en fera sûrement, hein, spécifiquement en pulp. Mais je pense que, comme tu dis, sinon on se fait une heure de plus, là, hein, ou deux. Ah ouais, mais par contre, il y a aussi des choses qui ne font pas dans le pulp. Dis-moi. Qui ont beaucoup servi pour Archeos, c'est tout ce qui est récit de voyage de l'époque. Enfin, récit de voyage ou roman, parce que bon, il y a des fois des choses qui se chevauchent. Par exemple, tu as Henri de Montfred, un personnage absolument incroyable, superbe romancier. Et ce qui m'a surtout intéressé, c'est ses premiers romans qui sont autobiographiques, où c'est de la, voilà, c'est les secrets de la mer Rouge, etc. Là, on est dans de l'aventure pure et c'est que du vécu. Et c'est incroyable à lire. C'est absolument incroyable à lire. Voilà. Je crois qu'on nous cite Centaur Chronicles. Tu vois, je connaissais pas. J'irai voir ça. Moi non plus, je connais pas ça. Bah écoute, merci, Gibran. Je regarde tout de suite. Hop là, en direct live. Ah oui, d'accord. Ah oui, effectivement. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ok. Je oui, pulp, à fond. tapez ça dans votre moteur de recherche, vous verrez tout de suite de quoi on cause. C'est pas mal du tout. Ouais, tu vois, il y a aussi, par exemple, quelqu'un qui... Enfin, pour revenir sur le fil. Oui. Un auteur français oublié, mais vraiment oublié, alors que c'était l'auteur le plus vendu au monde... En auteur français le plus vendu et le plus traduit au monde, c'était Maurice de Cobra, qui a notamment écrit pas mal de récits de voyage, de carnets de voyage, et qui sont c'est un pur régal à lire. C'est des véritables témoignages d'époque. Bon, son style d'écriture, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple de lire Confucius en pullover, qui est son récit de voyage en Chine, donc qui est foisonnant avec des tonnes d'infos. Et tu lis après Macao, l'enfer du jeu, qui est un de ses romans les plus connus, qui a été adapté au cinéma. Et tu retrouves dans Macao, l'enfer du jeu, ce que lui, il a vu et vécu en Chine. Et donc, tu vois à quel point, en fait, il s'est inspiré de ses voyages pour écrire des romans. Et ouais, c'est vraiment fascinant. Et bon, là, enfin, lui, c'est un vrai régal à lire parce que c'est du témoignage de première main. Ses mémoires sont assez fabuleuses aussi. Notamment, bah, tu découvres, grâce à lui, que clairement, il n'a jamais autant picolé toute sa vie que pendant la prohibition aux États-Unis. Alors qu'il s'était astreint au régime sec avant de partir en se disant « Eh merde, je ne vais même pas pouvoir boire une goutte de vin. » Et il a passé tout son périple bourré aux États-Unis. Et c'est très amusant de voir ça, où il te décrit comment les flics, ils amenaient les caisses de Niall à des soirées privées, etc. etc. Enfin, c'est des trucs, mais t'y crois pas, tu te dis, mais c'est pas possible. Tu lis les livres d'histoire, t'as beau voir les films d'époque, tu te dis, ouais, non. Là, t'as le témoignage de première main, et par exemple, bah, ça, c'est un truc très amusant à lire, tu vois.
Et bon, tu as les mêmes trucs sur la Chine, avec donc des témoignages mais incroyables, incroyables, où il a rencontré le dernier eunuque de l'empereur. Et il a vécu dans la cour des miracles chinoise, et il écoute toutes les traditions de la cour des miracles, avec comment en fait les gars, les mendiants extorquent de l'argent aux commerçants, etc. Tu veux savoir ce que c'est perdre la face, bah, il faut lire ce bouquin pour comprendre la philosophie et ce que c'est. Dans les lectures aussi, comme ça, qui peuvent vachement aider dans une préparation de scénario, tu as tous les vieux National Geographic, mais oui. du début du siècle. Hein, on est très loin du National Geographic de maintenant. Hein. Non, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Hein. Ils avaient, alors, putain, j'en ai un, je ne sais plus où il est, je l'avais pris. C'était une version d'origine, j'avais trouvé ça sur eBay à prix dérisoire. Quand j'avais voulu préparer par-dessus les montagnes hallucinées, au-delà des montagnes hallucinées, le scénario de Cthulhu, et il y avait sur les expéditions en Antarctique dessus, avec les photos ouais. d'époque, tout ça, et des récits. En fait, c'était les récits d'aventure de l'époque, parce que c'était vraiment des aventures, quoi. Oui, complètement. Et dans les National Geographic, tu avais des trucs très très chouettes à lire. Enfin, tu as des trucs très très chouettes à lire sur le début du siècle. Ouais. Pareil, les récits de voyage des Lamaillards, par exemple, sont super intéressants et qui sont facilement trouvables. Les trucs des expéditions scientifiques aussi, tu as régulièrement des hors-séries de revues scientifiques actuelles, donc tu as pas mal de choses. Dans les musées, tu en retrouves. Moi, je pense aussi à Albert Londres, hein, mine de rien, quand même. Albert Londres, tout à fait. Théodore Monod, pour ceux qui n'ont pas encore lu Méharé. Oui, Monod, complètement. Donc voilà, il y a plein de choses aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses super intéressantes. Après, il y a aussi plein de choses qui sont super intéressantes. Enfin, par exemple, je ne sais plus si je l'ai mis dans la liste. Et là, bon, je rechange, je fais un coq à l'âne, hein, je rechange le sujet, parce que là, on est dans du roman pur. C'est toute la saga de Dirk Pitt de Clive Cussler. On ne peut pas faire plus pulp que ça. C'est... Et avec en plus de liens historiques à chaque fois. Puisque bon, tu as toujours de la découverte archéologique, des mystères, et des grands méchants, un héros plus grand que nature qui parcourt le monde et qui va sauver la situation. Un de ces jours aussi, pareil, je vous ferai une émission sur un auteur que j'aime beaucoup, qui est quelque part, qui est quand même assez pulp, mais qui a bien modernisé le truc, c'est David Gibbons, je ne sais pas si tu connais. Ah non, je ne connais pas. Avec la série Jack Howard. Avec Atlantis, les dieux d'Atlantis. Et par contre, lui, il se sert des découvertes archéologiques modernes, récentes, pour pouvoir ensuite bâtir ses intrigues avec de l'espionnage plus moderne. Donc, il n'y a plus les méchants nazis, c'est des mafias, etc. Donc, c'est toujours marrant. Et l'Atlantide, en fait, c'est une cité engloutie sous la mer Noire. Parce qu'on a découvert qu'il y avait des choses en dessous, quoi. Puisqu'avant, c'est une plaine, c'est pas une mer. Donc voilà, okay, il y a plein de trucs super intéressants à faire pour moderniser encore un peu plus Uncharted, Tomb Raider que Indiana Jones au niveau des périodes, je dirais. Cadillac and Dinosaur, oui, tout à fait. Ah oui. Cadillac and Dinosaur, ça c'était l'ère du xénonoïque. Paru dans les années 80, qui malheureusement n'a jamais été fini puisque l'auteur est décédé avant de la finir. La BD était rééditée chez Aquileos en intégrale. Ouais, c'est un régal à lire, c'est du bonheur. C'est... Ouais. Donc, j'en profite parce que c'est un autre jeu de rôle, mais l'univers en tout cas graphique d'origine, donc Serge Lehmann et entre autres, c'est la Brigade Chimérique. Oui, que je connais fort bien du coup. Hein, puisque... Bah oui, c'est les super-héros français quoi. Voilà. Ah, mais d'ailleurs, les BD sont excellentes aussi. Hein. Bah oui, c'est les BD à l'origine. Ouais. Ouais. J'étais en train de feuilleter devant moi, j'étais en train de rechercher dans Daredevil, le jeu de FGU, les inspirations qu'ils avaient mis dedans pour pouvoir se retrouver un peu sur tout. Ils n'en avaient pas mis beaucoup à l'époque, il y en avait deux ou trois, c'est tout. C'était pas encore le truc, ouais. Non, c'était encore pas le truc, mais quand tu retrouvais, en fait, et on les retrouve, en fait, dans ta production, là, ce genre de choses, quoi. Ce genre de couve, et ça, c'était, là, tu vois, on était vraiment, le jeu te proposait du pulp, et je trouve que tu reviens exactement là-dessus,
Et ça, c'est, tu vois, avec le fameux le note dissense qui était là, on était pile poil dedans. Et c'est un peu ce que dans le type de découverte, quand tu as ton affiche, hein, qui est beaucoup plus développée que ce qui se faisait à l'époque, mais on est pile poil dans le thème, dans ce genre de choses. Quoi. Et ça, c'est très chouette. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, c'était ma minute de vieux con. Bon, bah, là, on est entre amis, là, ce soir, hein, donc on peut... Exactement, là. Ah, mais bien, et là, tout le gars, et il s'appelait comment, le personnage, là ? Aucune idée. Ah, il me fait penser à quelque chose, celui-là, attends. Là. Voilà, ouais. Le gars avec la grosse cape en noir, là. Avec la grosse cape noire. Un peu Shadow, non ? Ouais, c'est lui ? Ouais, je sais plus, enfin bon. Ça fait un peu Shadow, moi, je dirais. Ouais, c'est ce que je dirais aussi, ouais. Ça donne un peu ce sentiment-là, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Non, il y a aussi tous les Fu Manchu, impératif, les Fu Manchu. Ah bah oui. Oui, bien sûr. Incontournable. Et les Lone Rangers aussi, ne les oublions pas. Mais c'est plus Western. Oui, mais bon, enfin, plus western. Bon, c'est moins ma tasse de thé, j'avoue. Hein. Mm-hmm. Beaucoup moins. Mais bon. Il y a aussi une série qui est très intéressante à regarder. C'est... Young Indiana Jones, les aventures du John Indiana Jones. Ah oui. Oui, qui est sorti ça fait longtemps maintenant, mine de rien. Il y avait des romans jeunesse avec aussi. Et qui avait ça d'intéressant, c'est qu'en fait, c'était vraiment ancré dans des épisodes historiques. Ouais, de Gaulle et compagnie, il y avait tout. Ouais, c'est vrai que c'était sympa ça pour être en immersion dans l'histoire en tant que tel. Oui. Je garde pas un super souvenir de la série en tant que tel parce que c'était bon, voilà. Mais par contre, d'un point de vue documentaire, c'était génial. Ouais, dans l'ambiance. J'essaie de m'en souvenir parce qu'il y en a eu tellement. Ouais, le Franck Chasseur de Fauves, parce que le générique m'a complètement traumatisé. Et d'ailleurs, Frank Buck est un célèbre chasseur de fauves des années 30 qui a écrit plusieurs bouquins. Et en fait, c'était lui qui fournissait en animaux sauvages l'intégralité des zoos des États-Unis. Ça m'étonne pas. Ouais. Je crois que je n'ai jamais vu cette série, ça ne me dit rien du tout. Mais ça absolument rien. Parce que ça passait sur la 5 de Berlusconi à l'époque. Ouais, Frank Buck, chasseur de fauves. Ça ne me dit rien du tout. Et dans le ciel brûlant d'Extrême-Orient. Mais d'ailleurs, à l'époque, peut-être qu'une série, tu te souviens d'une série qui était à l'époque, en français, elle s'appelait Jack Cutter. Ah oui. Le titre VO, c'était Tales from the Golden Monkey, avec un pilote d'hydravion, son chien borgne. C'était pas le prêtre, hein. J'ai pas un souvenir. Le japonais, enfin, ça se passe la vache, alors là. C'était sorti très peu de temps après Indiana Jones, parce qu'il voulait surfer sur la mode quand Indiana Jones était sorti. Et cette série était vraiment super sympa. Voilà, c'est ça. Chercher le titre original de Frank Chasseur de Fauves, c'était Bring Them Back Alive. Alors, Bring Them Back Alive, c'est le titre du roman le plus célèbre de Frank Buck, justement. Oui. J'ai réussi à mettre la main sur une copie en français parce qu'il a été traduit en français dans les années 30. Et c'est super intéressant à lire parce que c'est le quotidien d'un chasseur d'à peu près n'importe quel animal. Sauf que lui, ce qu'il faisait, Frank Buck, avait le gros, enfin, il ne les tuait pas. Il les attrapait, il en prenait soin, mais vraiment, vraiment, vraiment. Il les soignait, etc. Très, très intéressant à lire. Ouais, on le voit un peu dans la série. Et c'est vrai que la série m'avait marqué, mais c'était une saison et 17 épisodes, hein, pas plus. Hein. Non, c'est... non, ça ne me dit rien du tout, mais vraiment rien. Ouais, c'est 82, 83. Moi, je crois que du coup, on l'a vu en 86, 87. Quand c'était sur la 5, du coup. De mémoire. Hein. Rien du tout, ça ne me dit absolument rien. Ah, sinon, même si c'est très éloigné, etc., mais l'ambiance, elle est là, le délire, il est là, c'est le secret de la pyramide de Spielberg. Ah ouais. Ah ouais. Voilà, là, c'est pareil. On est... tout l'univers de Doyle, mais à la mode, à la moulinette, fantastique, quoi. Ouais, ah ouais. D'ailleurs, ce titre devrait être canon dans la saga Sherlock. Il est très apprécié, hein, parce que là, on va faire une prochaine émission sur les adaptations de Sherlock Holmes.
où je suis avec les gens de la Société française de Sherlock Holmes. Et ils adorent, hein, le secret de la pyramide, ça fait vraiment partie des trucs qui est vraiment, vraiment... Dans des trucs vraiment très appréciés dans le canon même. Hein. Oui, c'est assez incroyable le travail qui a été fait là-dessus. Parce que c'est ouais. Plus vrai que l'original. Ouais. Donc voilà, je pense. Bon voilà, je pense qu'on va, on va gentiment aller vers le mot de la fin, si ça vous va. Parce que c'est vrai que sinon, voilà. Je pense qu'on pourrait se faire une émission spéciale pulp à se recaser une autre fois. Bah. Il y a plein de choses à dire sur du pulp. Ouais, c'est incroyable. Je veux dire, on pourrait en faire plusieurs même. Hein. On est d'accord là-dessus. Oui, facilement. Parce que ouais. Là, on a à peine effleuré le sujet en passant vite fait sur plein de références. Quoi. Oui, mais puis en plus, ça fait référence entre nous parce qu'on connaît, tu vois. Mais si on veut vraiment creuser le truc en expliquant les choses, il faut faire une émission un peu plus calibrée, un peu moins à l'arrache comme on le fait ce soir. Ouais. Clairement. Ouais, c'est les estivales de... d'indécent. Voilà, déjà qu'en saison régulière, c'est quand même un peu à l'arrache. Alors là, c'est encore pire, sachant que Fred a appris 2 heures avant l'émission qu'il participait ce soir. On est pas mal, quoi. Tu vois non, mais c'est bien. Ouais, ouais. Mais ça fait 24 heures à peine, hein, donc... Non, mais Fred m'envoie un truc tout à l'heure. Au fait, tiens, ce soir, oui. t'es dispo pour... ouais. Okay. Ah bah oui, allez, soyons fous. Donc ouais, on aura l'occasion de se recaler des trucs, peut-être un poil plus travaillé quand même, histoire de donner un peu l'impression qu'on fait des trucs, tu vois. Ouais, on balance pas juste des références comme ça vite fait, quoi. Ouais, ça fait un peu moins à la Gatling où tu balances tout parce qu'on connaît, mais en expliquant pourquoi c'est un marqueur, pourquoi c'est intéressant, etc. Donc oui. Ouais, peut-être en format enregistré, donc moi on en rediscutera de toute façon. Hein. Bah écoute, moi ça sera avec plaisir. Hein. Ouais. Donc oui, les trucs à l'arrache, oui, ben ça de toute façon c'est un peu la marque de fabrique de la chaîne, c'est tout n'importe comment. Et puis bon, bah quoi, on y va tranquille. Moi j'arrive. Alors attends, tranquillement, je vais mettre la petite bannière. Hop. Les gars, on a quand même oublié quelqu'un de fondamental dans le pulp. Ah vas-y. Fondamental, d'essentiel. Howard. Ah bah oui. Bah oui, forcément. Merde, on allait oublier Howard. C'est-à-dire qu'en fait il est tellement important que tu l'oublies. T'sais. On allait l'oublier. Bon, honte à nous. Ouais. Alors, je regarde ma bannière. Elle est où? Elle est là. Hop, là, voilà. Alors, je voulais faire une petite rubrique actu, billet d'humeur et tout, mais vous avez l'habitude de me voir râler, donc ce sera pour une autre fois. Voilà. Parce qu'il y a plein de trucs qui me font râler en ce moment dans le jeu de rôle. Mais du coup, je le ferai pas, parce qu'après tout, autant rester sur Arceus, c'est cool. Voilà. Bah, écoute. Je vais pas m'en plaindre. Ouais. Non, sinon, je vais encore déverser des tonnes de sel. Bon, voilà. On va éviter. Restons zen ce soir, c'est les vacances. Donc, il me reste à vous remercier tous les deux. Et déjà, Fred, d'avoir accepté à l'arrache, comme on disait. Eh ben, écoute, merci à toi. Ouais, on aura d'autres passes. Tu le disais, t'inquiète. Je m'inquiète pour rien, moi, tu sais. Donc, oh, c'est pareil. Quand tu veux. Arrêtez ça, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Et puis ben Christian, de toute façon, on se retrouve quand le financement aura commencé, à nouveau pour reparler d'Akeos sur cette fois-ci, ce qui aura vraiment le contenu des bouquins, etc., la partie contrepartie, etc., un peu plus actu, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est avec le kit et tout que j'avais bien avancé dans la lecture, j'avais adoré. Et surtout, de rien. Et surtout, moi, je remets l'accent sur cette partie présentation des règles. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est vrai que quand tu... Merci à vous deux, parce que ça fait super plaisir à entendre, vraiment. Bah, quand tu lis des jeux de rôle, des fois, tu as des gros blocs de texte à n'en plus finir. Ça m'est déjà arrivé de me dire, mais bon, on va le finir, le chapitre, on va le finir. Ouais. À la cassette, et ça passe. Et on a un peu du mal à le finir, des fois. Là, effectivement, ta présentation change du tout au tout, et ce qui est quand même assez rafraîchissant, on est bien d'accord. On me demande de manger sans sel. Non, pas du tout. Voilà, en fait, quand je commence à faire des chroniques de jeux de rôle, c'est les marais salants se dessèchent d'un coup. Voilà, c'est un peu le truc, quoi. Donc voilà, je vous remercie à nouveau tous les deux. C'était vraiment top. Merci à tous les deux également. Un peu à l'impro. Eh bien, merci beaucoup. Et puis pour clôturer, comme d'hab, avant que j'oublie,
Cette vidéo sera rediffusée dès demain sur YouTube avec les liens, le chapitrage. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner avec la petite cloche qui va bien. Voilà, je crois que j'ai fait le discours promotionnel, on est pas mal. Ouais, t'es bien là. Ouais, tu vois, en mode j'y crois, hein. Allez-y, lâchez les trucs et tout. Et puis, bah, surtout, le plus important, c'est profitez bien de l'été, de vos vacances. On se dit à très bientôt et on vous fait des gros bisous. Et il faut juste que je retrouve, voilà ça. Et je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.